1, 2, 1, 2. Hop là. Salut tout le monde. Euh, bienvenue pour un nouveau live Twitch sur la chaîne Histoire Crépue. Aujourd'hui, on parle de l'école dans les colonies françaises. Est-ce un instrument de domination Grande question. Alors, pour celles et ceux qui ne vont pas pouvoir voir le Twitch en entier, pas de souci. Le live sera en replay sur mon, euh, sur mon YouTube. Et donc, euh, dites-moi si vous entendez bien le son. J'espère que oui. Parce que je crois que j'ai un peu changé. Mes paramètres de son. Salut 13bis, on entend bien, parfait, super, donc j'ai pas besoin de me rapprocher normalement, ça devrait être cool. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc parler d'un article qui est paru sur Retro News, qui est un site qui est vraiment génial, je trouve, même si malheureusement il est payant, le site en général. Mais il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont accessibles gratuitement, dont l'article qu'on va lire, puisque c'est une interview, donc comme c'est écrit, voilà, sur, sur mon. Voilà. Sur mon truc. Euh, donc, salut euh, Charlie F. Salut Charlie F. Ça fait plaisir. Euh, S'il y en a qui arrive, dites-moi bonjour. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là. Euh, pour toutes les sources que je vais citer aujourd'hui dans cette euh, vidéo, elles sont disponibles sur mon Trello. Le lien de mon Trello, il est dans ma bio. Et sinon, j'ai mis une commande Twitch aussi qui permet de l'activer normalement grâce au conseil de 13bis, euh, super modérateur. Donc, euh, salut Darkfire g 33 Ça fait plaisir. Et donc si vous voulez voir les sources Normalement vous faites Point d'exclamation source Dans le chat Et il y a un bot qui va vous donner Le lien vers mes sources Salut chinello 15 Bienvenue Et ouais Normalement Il a été Ah sauf qu'il n'y a pas le S Ah si il y a le S Voilà parfait Salut Inesld Salut tech C'est une galère de lire Tous les blazes Mais c'est trop cool Ça me fait rire Mais vous avez des super blazes En tout cas euh, et et n'hésitez pas, je pense qu'à un moment, je vais faire encore un, un test, euh, un, un petit jeu, un quiz en trois questions euh, sur ce qu'on aura vu. Et donc, euh, je crois qu'il faudra activer votre, euh, votre nom parce que je sais qu'il y a des gens dont ça ne, ça ne s'affiche pas, euh, leur nom ne s'affiche pas dans les résultats. Salut, Christina, euh, Christa Vango. Donc, ça fait grave plaisir de vous voir tous et toutes. En ligne aujourd'hui, ça va être un live assez court je pense, je vais essayer de faire beaucoup plus court que la semaine dernière parce qu'on avait duré 2h40, c'était trop. Euh, là je vais essayer de tenir 1h30 max, euh, peut-être même moins si j'y arrive. Euh, et donc euh, voilà, on a commencé à 19h. Quand il est euh, 20h, dites commencer à, à me faire signe, comme ça je sais que j'ai un peu duré. Donc euh, salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Euh, et merci 13bis pour la modération. C'est grave cool. L'école dans les colonies françaises, un instrument de domination Eh bien, on va commencer à se poser la question tout de suite, alors. C'est parti, je passe à mon deuxième mode d'écran. Donc, on va lire une interview publiée sur euh, le site RetroNews, qui est un site de la BNF, donc de la Bibliothèque Nationale de France. Euh, et donc, c'est le site de la presse de la BNF. Donc, sur RetroNews, ce que vous trouvez... Enfin, c'est vraiment une mine d'or, franchement, si ça vous intéresse l'histoire... Euh, de manière générale, c'est une mine, mine d'or. Vous avez plein d'articles, par exemple les articles là, les plus récents. Un scandale à la belle époque, les sous-officiers de Lucien, les sous-offres de Lucien Descaves. Je ne sais pas si c'est sous officiers ou pas. Scandale Mademoiselle de Maupin, roman des monstrueuses rêveries. Bon, ça c'est pour des, des scandales un peu, euh, mais il y a plein de, plein de choses. Judex, l'histoire d'un Batman à la, fran à la française. Plein d'articles différents d'histoires, et qui sont toujours documentés grâce à des revues de presse et des coupures de presse. Euh, série noire à la une, les Apaches à l'assaut de Paris. Alors les Apaches, c'était un, une sorte de gang euh, dans les, à la fin, au début du XXe siècle, je crois, hein, euh, voilà qui sévissait à Paris. Histoire intéressante. Les Français au Maghreb, un face-à-face -face qui n'exclut jamais le côte à côte. Donc là, c'est l'histoire des relations entre les Français et euh, les populations colonisées en Afrique du Nord. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Ça c'est pour euh, les, les articles publiés, mais vous avez aussi, tout simplement, en plus de ça, alors attendez, je vais essayer de voir, titre de presse. En plus de ça, vous pouvez retrouver en fait tous les... tous les journaux qui ont été numérisés. Donc par exemple, euh, voilà, un journal là, affiche du Maine, de 1780 à 1792. Là, c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est les trucs qui commencent par A, annales Parisienne, 1789. Et donc, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de documentation. Malheureusement, la majorité de cette documentation est accessible en payant. Sad story. Bref. Nous, on va lire une interview qui a été publiée euh, cette semaine, le 25... Enfin, oui, cette semaine, non, la semaine dernière, le 25 février 2021. Euh, donc, c'est l'interview de Carole Reynaud Paligo. Qui s'intitule L'école dans les colonies françaises, un instrument de domination point d'interrogation. Et qui a été rédigé par Arnaud Pagès. Et du coup, il faut un sponsor. Ouais, effectivement. Bon, voilà, moi j'aimerais me faire sponsor par, euh, par euh, euh, Retro News, mais ça, ça viendra peut-être dans le temps. Je leur enverrai un mail. Je l'aurais toujours pas envoyé, il faut que je leur envoie un truc. Et donc là, elle nous a mis. J'aime bien le travail de, de Carole Renaud-Paligo. Bon, et d'Arnaud Pagès, je connais pas trop, mais on va voir qui est Carole. Euh, et en tout cas là, elle a mis une source euh, de, en creative commons, religieuse enseignant à des enfants nord-africains. Ça, ça, ça représente un petit peu euh, les images qui ont été faites à l'époque coloniale de l'enseignement colonial. de la première moitié du xixe siècle aux années 1960, l'école de la république a enseigné à des centaines de milliers d'enfants en aof, en afrique du nord et en indochine. Corollaire de la mission civilisatrice. Un tel projet éducatif avait-il pour but de former des citoyens ou de conquérir les esprits Grande question. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est l'AOF Parce que, important. Salut, Fanic talop TV. Bienvenue. Euh, est-ce que vous savez ce que c'est l'AOF Parce que c'est un truc important à savoir. Je vous ai mis des petites. Euh... Des petits liens sur le côté, donc tous ces liens ils seront disponibles. Donc en tapant, si vous tapez point d'exclamation source dans le chat, vous allez voir euh, voilà le, le lien de mon trello. Mais en plus de ça, euh, je vous... enfin c'est pas encore bien rangé dans mon trello, donc je le mettrai en enfin bien en page à la fin du live et vous pourrez aller les consulter. L'Afrique occidentale française, c'était un gouvernement général regroupant au sein d'une même fédération huit colonies françaises d'Afrique de l'Ouest entre 1895 et 1958. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est cette partie-là du monde, l'Afrique occidentale française. C'est important pour la suite. Parce qu'on va beaucoup en parler. Euh, Constituée en plusieurs étapes, elle réunit à terme la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français, qui est devenu le Mali. Donc avant, ça s'appelait le Soudan français. Donc si vous regardez les textes coloniaux, souvent. Ah oui, un Zoom Wiki, c'est vrai, excusez-moi, j'ai pas fait de Zoom pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Euh... Le Soudan français, donc, qui est devenu le Mali. Si vous vous intéressez à l'histoire coloniale française, vous allez souvent voir écrit la conquête du Soudan, ou parler des Soudanais. En fait, il s'agit des Maliens, à ce moment-là. La Guinée, donc, qui est la Guinée-Conakry. Là, on la voit pas. Si. On ne la voit pas, là. Euh, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta. La Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso, aujourd'hui. Suite à son indépendance, le Togo et le Dahomey, qui est devenu le Bénin actuel, qui est situé ici. Sa superficie, donc à l'Afrique occidentale française, atteignait 4 689 000 km, soit environ 7 fois celle de la France. Et son chef-lieu était Saint-Louis, au Sénégal. Alors, ça, je vais vous en parler un peu après dans l'article de Saint-Louis. Bonjour, tronche de cake, super modérateur aussi. Vous êtes deux modérateurs aujourd'hui, du coup, 13 bis et tronche de cake. Euh, voilà, je vous fais les petites présentations. Merci d'être présent. Puis Dakar, donc son chef-lieu était Saint-Louis au Sénégal jusqu'en 1902, puis Dakar au Sénégal. Une organisation comparable, l'Afrique équatoriale française, est instaurée en Afrique centrale en 1910. Donc c'est-à-dire que d'abord il y a l'Afrique occidentale française qu'on vient de voir qui est ici. Et ensuite, l'Afrique équatoriale française qui est ici. Ça, j'en ai un peu parlé aussi la semaine dernière quand on a parlé de France-Afrique et de néocolonisation, parce que c'est en lien avec les zones France-CFA qui existent aujourd'hui, donc euh, les deux zones France-CFA reprennent exactement le tracé de l'Afrique équatoriale française et euh, de l'Afrique occidentale française, enfin presque exactement. Salut Sibyl PNG, bienvenue. Alors, j'ai cliqué sur Sénégal, donc on revient à notre truc. Donc en tout cas, euh, la République a, a enseigné à des centaines de milliers d'enfants, donc en Afrique occidentale française, en Afrique du Nord et en Indochine. Indochine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est aussi, mais je vous le montre pour être un peu précis, parce qu'on entend beaucoup parler du nom Indochine. Bon, il y a un groupe de musique hein, qui s'appelle Indochine, mais au-delà de ça, l'Indochine française, c'est un territoire de l'ancien empire colonial français dont elle était la possession la plus riche et la plus peuplée. Donc, c'était la plus riche, la plus peuplée de toutes les, de toutes les possessions de l'empire colonial français, en tout cas le second empire colonial français. Officiellement nommée Union Indochinoise, puis Fédération Indo Indochinoise, elle fut fondée en 1887 et elle regroupait jusqu'à sa disparition en 1954 diverses entités possédées ou dominées par la France en Extrême-Orient. Il y avait trois pays d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui indépendants, donc il y avait le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi qu'une portion de territoire chinois situé dans l'actuelle province du Guangdong. Donc, ça, c'est important de capter qu'il y avait aussi un peu de Chine. Et donc voilà la carte euh, officielle de l'Indochine française, avec le Tonkin, le Laos, l'Anam, le Cambodge et la Cochinchine. Il ne faut pas mettre Siam qui est ici, et qui est le nom qui était l'ancien nom de la Thaïlande, si je ne me trompe pas, euh, qui n'était pas colonisé ni par les Français, ni par les Anglais, même s'il si y a eu des guerres euh, entre les troupes coloniales françaises et le royaume de Siam. Voilà. Donc ça c'est l'Indochine. Alors Fanic Talop TV, c'est mon pays. Et eh bien euh, voilà. Je ne sais pas exactement lequel est ton pays, mais tu peux nous le dire en tout cas. Et donc l'emblème du gouvernement général d'Indochine, c'était celui-ci. Donc ça, c'était pour vous faire un petit peu euh, une petite carte de l'Empire colonial français, donc le second empire colonial français, même s'il y avait aussi euh, d'autres choses, hein, bien sûr. Salut Citro Nachos. Bienvenue. Euh... Et donc il y avait d'autres choses aussi que, que juste ces territoires. Il y avait aussi des, il y avait Madagascar par exemple. Euh, il y avait des territoires la Nouvelle-Calédonie en Océanie. Il y avait aussi des territoires dans les Antilles donc euh, et, euh, les, la Martinique, la, la Guadeloupe et aussi en Afrique du Sud, euh, en Amérique du Sud excusez-moi la Guyane. Tout ça pour dire on revient donc à notre article. Qui est Carole Reynaud Paligo qui est l'autrice de cet article diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et de l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, qui est une école de Paris. Euh, Carole Reynaud Paligaud est historienne et professeure d'histoire et de sociologie à l'Université de Bourgogne. Elle est également chercheuse au Centre de recherche en histoire du 19e siècle. Alors ça, on va chercher tout de suite ce que c'est. Boum. Qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire, un centre de recherche, donc basé sur, enfin, vraiment spécialisé sur le 19e siècle, qui appartient à l'université Panthéon Sorbonne. Donc, je vais sur le site rapidement, comme ça, ça vous fait une petite idée d'où elle vient. Euh, salut, Yves Mélou. Bienvenue sur notre live, sur le live Histoire crépue. Merci à 13bis ces tronches de cake en modération. Donc voilà, ça c'est le, le centre du 19e siècle. Qui, nous présente, euh, enfin, qui est donc spécialisé sur la recherche en histoire du XIXe siècle et qui publie régulièrement différents enfin dont les chercheurs et chercheuses publient régulièrement différents ouvrages comme quatre sergents de la Rochelle du souvenir de Napoléon à la conquête de la monarchie par exemple voilà ou bien la diaspora syriaque orthodoxe de Jérusalem par exemple et plein d'autres euh, publications et juste pour euh, faire un petit combien ils sont voilà il y a 23 enseignants chercheurs 57 doctorants et environ 5 thèses par an en moyenne. Donc, euh, notre amie Carole fait partie de, je pense, des 23 enseignantes chercheurs de ce, de ce, de ce centre de recherche qui a l'air d'être ici. Je suis déjà allé devant ce bâtiment en plus, c'est dans le quartier latin de Paris. Euh, J'y étais une, pendant une. Euh... Alors, salut Samora du caste. bienvenue. Euh, coucou de chez Maudit. Ah, bah, trop cool! Euh... Qui est-ce qui me fait coucou chez Maudit Gumun Freud. Bah, trop cool, franchement. Euh, et. Ouais, vraiment cool d'être passé. De passer. Alors voilà, donc ça, je parlais de ça rapidement. Et donc, je vais vous présenter donc, qui est Carole Reynaud-Paligo, puisque c'est elle qui est interviewée dans notre article aujourd'hui. C'est cette dame-là. Donc, on a dit qu'elle est historienne. Euh, voilà. Et si je vais sur sa fiche Wikipédia. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources, et on n'a pas d'illustration, donc si vous en trouvez, c'est cool. C'est une historienne française née en 1966, donc on a déjà eu sa, sa, petite, euh, sa petite biographie, mais elle a été membre, par exemple, du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Intéressant, je ne connaissais pas ce comité. Et elle a écrit plusieurs ouvrages, on va voir ça un peu après, mais euh, elle est... Je vais vous la montrer directement, en fait, comme ça on va, on va l'entendre elle-même puisque sur le réseau Canopé, qui est un réseau de l'éducation nationale, elle a donné une petite interview. Alors, salut. Euh... Je regarde qui me parle. Bah, en tout cas, euh, bonjour Samora Moicast. J'allais dire, euh, allez voir aussi ce qu'il fait. C'est trop cool. Et le podcast, le Moicast, qui est vraiment euh, trop intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant. Boum. Donc euh, là, je vous, ai... je vous montre... Hop. Donc un, un séminaire qui a été donné euh, par, euh, sur le réseau Canopé, qui est un réseau de l'éducation nationale, euh, qui parle justement de la notion de race, et donc dans lequel ils ont fait intervenir d'abord quelqu'un qui s'appelle euh, Bertrand Jordan, genre les races existent-elles Il enfin, y a plein de questions et d'explications. Puis ensuite, il faut intervenir justement notre ami Carole Reynaud Paligo en lui posant la question quelles sont les origines de la pensée raciale et là, je vais vous, le... je vais vous laisser l'écouter. On va l'écouter ensemble. Comme ça, on voit un peu qui parle, quelle est son, son attitude, sa prestance, etc. Et ça nous donnera un peu plus d'idées sur ce qu'on lit. Ça dure 3 minutes. Donc, tranquille. Dites-moi si le son est beaucoup trop fort aussi. Concernant euh, l'émergence et... Euh... La diffusion de cette pensée raciale, il faut prendre en compte d'une part le contexte scientifique de l'époque et d'autre part le contexte socio-économique, politique de la période. Alors, le contexte scientifique, on est depuis la fin du XVIIIe siècle dans une logique classificatoire. Les savants entreprennent de classer, ça s'applique à la botanique, on classe les plantes avec l'inné, puis on passe au monde animal euh, on utilise la notion de race pour aborder cette euh, diversité animale. Et de l'animal, on passe assez naturellement à l'homme. Et ces savants vont euh, appréhender la diversité humaine avec une démarche classificatoire et à l'aide de cette notion de race. Donc, ils entreprennent de euh, classer, euh, de trouver, de déterminer des races. Et c'est là que le contexte socio-économique doit être pris en compte. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, voire quelques siècles, on est dans une... depuis en gros la découverte de l'Amérique et la colonisation euh, du continent américain et l'esclavage, on a mis en place des représentations extrêmement euh, dépréciatives de certaines populations et notamment des populations d'origine africaine. Donc au moment où s'établit cette euh, tentative de classer les races, ces visions hiérarchisantes se juxtaposent et finalement euh, les savants produisent euh, des représentations inégalitaires et hiérarchiques, classant au sommet euh, la race blanche, en bas de l'échelle les races noires et euh, en position intermédiaire les races jaunes, disent-ils, pour euh, appréhender la diversité des populations asiatiques. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que cette, cette appréhension, cette diversité physique, euh, s'accompagne de caractéristiques morales, intellectuelles, psychologiques. C'est-à-dire qu'on attribue à chaque race une spécificité, des caractéristiques physiques qu'on peut observer ou qu'on peut mesurer, puisque c'est cette science des races qui apparaît euh, se, se, se base sur l'anthropométrie pour classer la diversité physique des hommes. Et euh, donc on attribue à chaque race des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques intellectuelles, morales, psychologiques. Euh, différentes, donc on a une, une vision assez à la fois physique et, et culturelle de la diversité humaine qui s'impose comme ça et qui se hiérarchise. Alors tout ça se, se diffuse dans, le, dans la société et euh, chaque, finalement, chaque espace intellectuel euh, s'approprie cette notion de race et l'utilise. Donc on va voir des historiens, des géographes, des philosophes utiliser ce concept de race et euh, le assez souvent en faire la clé d'explication euh, des rapports entre les sociétés et de leurs évolutions, ce qui veut dire très concrètement que les sociétés européennes sont euh, amenées à dominer les autres, disent-ils, parce qu'elles euh, ont des aptitudes spécifiques supérieures liées à euh, la race blanche et inversement. Alors euh, voilà donc euh, comment cette euh, science des races s'affirme, s'institutionnalise, porte ce message. Inégalitaire, différencialiste une vision raciale euh, de la diversité humaine s'impose dans les sociétés euh, européennes, mais aussi se diffuse dans d'autres sociétés jusqu'au Japon ou même en Amérique du Sud. Donc voilà, comme ça, ça vous donne une petite idée. Euh, alors déjà, bonjour V Macfly, salut, bienvenue sur le live. Euh, ouais, comme vous disiez, la découverte entre guillemets des Amériques. Hein. Euh, mais je trouve que Carole Renault-Paligou fait quand même un travail assez, assez précis sur les sujets qu'elle aborde, puisqu'elle travaille vraiment sur la question du racisme et de la construction du racisme en France, en tout cas. Et on va le voir ensuite dans d'autres ouvrages qu'elle a réalisés. Qu'elle a rédigé. Et donc là, ça vous donne un peu une idée de qui est la personne euh, qu'on va, dont on va lire l'interview et, euh, et comment, c'est quoi sa prestance un peu. Et à la fin du live, on regardera une autre vidéo. Euh, suspense un peu, mais elle nous explique comment la pensée raciale s'épanouit-elle sous la Troisième République. Et la Troisième République, vous verrez que c'est un moment très particulier, euh, à la fois dans la construction de la France et dans la construction du racisme français. Voilà. Euh, oui, t'inquiète, je vois bien que tu trolls un peu. <laughs> et pas de souci. On est là. Alors, du coup, je continue à... Je vous remontre un petit peu l'article. Euh... Avant d'avancer sur Carole, je vous parle rapidement de Arnaud Pages, qui est celui qui a rédigé l'article, donc qui a pris l'entretien. Je trouve ça important de voir un peu le contexte global du truc avant de lire ce qu'il a écrit. Comme ça, on se fait une bonne idée de quels sont un peu les partis pris des gens qu'on va lire. C'est un journaliste depuis plus de 15 ans. Qui est passé par Technic Art et Clark Magazine et qui collabore aujourd'hui avec Retro News, Uzbek Erika, l'atelier BNP Paribas, je ne sais pas ce que c'est, Détour, Vice et Slate. Et donc euh, sur euh, Retro News, il, a écrit, il, a, il réalise plutôt des interviews euh, sur différents sujets liés à la guerre mondiale, liés à, par exemple au Ku Klux Klan en Amérique, euh, liés encore à la guerre mondiale, Mussolini, Oradour sur Glane, euh, les Anglais et les Zoulous s'affrontent en Afrique australe. Les guerres, de... enfin, les guerres coloniales anglaises. Voilà plein de choses assez intéressantes, je trouve. Et donc ces articles sont à lire parce qu'en plus ils sont pour la plupart gratuits sur ce site. Bref. Et donc on revient à Carole Renaud-Paligaud. On lui doit notamment La République raciale 1860-1930, qui est un livre paru en 2006. Il y a aussi le livre Race, racisme et anti-racisme dans les années 1930, qui est paru en 2007, et il y a de l'identité nationale en 2011, qui, sont parus... enfin, qui est paru en 2011 aux presses universitaires de France. Donc ça, je vous montre rapidement, parce que j'ai trouvé, si vous allez sur Kern et que vous tapez Carole, Renaud paligo vous allez voir un petit peu les, euh, les trois ouvrages en question. Donc La République raciale, ça, ça m'intéresse particulièrement de le lire. Euh, voilà, qui est paru en 2006, et vous pouvez feuilleter un petit peu l'ouvrage, certaines parties de l'ouvrage, et sinon acheter des chapitres si ça vous intéresse particulièrement. Paradigme racial et république, par exemple. Fondement de l'inégalité face aux enjeux idéologiques. Voilà, vous avez des chapitres payants. Et sinon, vous pouvez lire, euh, par exemple, le plan du livre, entièrement gratuitement, du coup, sur Kern. Euh, ou sinon, acheter le livre en entier, hein, mais bon... Il faut un budget quoi. Et là vous avez tout le plan du livre, euh, voilà, avec toutes les parties qui sont expliquées. Et je trouve que c'est intéressant. C'était pour juste pour vous montrer ça. Donc il y a la République raciale, race racisme et antiracisme les années 1930, etc. Et plein d'articles plein aussi auxquels elle a collaboré, mais la plupart sont malheureusement payants. C'est ça qui est dommage. Vous les trouverez tous sur Kern. On revient donc. Ah oui, et autre chose aussi qui est intéressant, c'est que si on tape son nom sur Google, Carole Reino Aligo, boum. Euh, elle a aussi un blog en fait. Un blog ici. Qui euh, je zoome. Voilà, un blog où elle, elle reprend un peu tout ce qu'elle fait. Donc par exemple, elle a mis en ligne un article, comment la politique coloniale a forgé le mythe d'une France pays des droits de l'homme paru sur theconversation.com euh, voilà ça je vous laisse le lire vous-même aussi si ça vous intéresse mais donc euh, voilà elle travaille vraiment sur le sujet à fond et ça c'est paru en janvier 2021 donc c'est très récent Et elle explique euh, voilà le rôle de l'école dans tout ça quoi avec l'école en Algérie pendant la colonisation française aussi une petite vidéo à regarder plein de choses trop intéressantes et merci d'avoir mis les sources euh, wisebot du coup et 13bis boom tout ça pour dire, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, elle publie, enfin cette année 2021, elle publie l'école aux colonies, qui vient de paraître aux éditions Champvallon, où elle décrypte les mécanismes pluriels et paradoxaux de l'enseignement pendant la période coloniale et les effets de racialisation des populations colonisées. Donc ça c'est un nouveau livre qui vient tout juste de sortir, tout frais. Je vais leur envoyer un mail en leur disant regardez, j'ai fait un live sur le sujet, vous pouvez m'envoyer le livre gratuitement s'il vous plaît. J'espère qu'ils vont me l'envoyer gratuitement. Euh, et donc voilà, je vous lis rapidement le, le petit. Euh, le, la petite intro. Enfin, le, le, voilà, le, déjà le livre ressemble à ça, je zoome. Si je peux, mais je ne peux pas zoomer plus que ça malheureusement. Et euh, le texte, la volonté de civiliser les populations colonisées grâce à l'école fut hautement proclamée par les colonisateurs français. Mais qu'en fut-il réellement Cette enquête, effectuée à partir des archives coloniales, restitue les débats et les réalisations de la politique scolaire. Dès 1815, le projet colonial fut durablement établi. Les colonies devaient fournir des matières premières, mais aussi être des débouchés pour les produits ma manufacturés de la métropole. La mission de l'école s'imposa apprendre le français. Le calcul et quelques bribes de civilisation nécessaires à la bonne participation des colonisés à l'entreprise coloniale. En faire des producteurs et des consommateurs, mais aussi montrer la grandeur de la France et susciter son amour. La conquête morale accompagna la conquête par les armes les écoles ouvrirent alors que la poudre du canon fumait encore. Très vite, les limites apparurent il fallait se garder de trop instruire. La volonté de dispenser un savoir pratique, de bannir un savoir trop intellectuel, de freiner la mobilité sociale, provoqua les déceptions et colères des colonisés. Et donc là, voilà, c'est un peu le, le teaser du livre qui vient de paraître, 7 janvier 2021, 25 euros, encore un budget ça. Bref. On va commencer l'interview, parce qu'on a assez parlé du contexte. Il est 19h27, on a pris presque 30 minutes pour parler du contexte. À quel moment le système éducatif a-t-il été mis en place dans les colonies Carole répond Dès 1816, lorsque les Français reprennent possession du Sénégal, Louis VIII envoie sur place des militaires, du personnel administratif, des scientifiques et un instituteur qui s'appelle Jean Dar, afin de créer la première école publique à Saint-Louis. C'est symbolique. Dès le départ, il y a une volonté de civiliser les indigènes mais qu'entend-on par civilisé. En réalité, la dimension philanthropique passe au second plan. Il s'agit avant tout d'une conception utilitariste de l'éducation. Donc ça c'est selon Carole et là je vais vous donner quelques petits éléments de contexte sur ce qu'elle vient de dire déjà. Elle a parlé de Louis VIII qui est Louis VIII, je vous le montre rapidement ce cher roi de France. Attendez, je ferme les onglets comme ça on s'embrouille pas partout. Boum. Euh, Excusez-moi, j'ai dit Louis VIII, c'est Louis XVIII, autant pour moi. Voilà Louis XVIII, euh, c'est ce monsieur, euh, charmant monsieur, né à Versailles, etc., qui est euh, qui est né euh, en 1755 et mort en 1824 à Paris. C'était le roi de France, et le roi de France à un moment où la France commençait à, enfin, recommençait à être un empire colonial. C'était le début du second empire colonial. Et donc, euh, entre 1815 et 1824, il était roi de France. Et par exemple, c'est le moment, donc elle nous dit, il envoie sur place des militaires, du personnel administratif, des scientifiques, etc. Comment il les envoie Eh bien, c'est par bateau. Et vous connaissez peut-être ce tableau. Euh, je fais un petit passage vers l'histoire de l'art. Le radeau de la Méduse. Vous avez sûrement déjà vu ce tableau. Et je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ce, ce tableau, qui est un grand classique de la peinture française, mais vous remarquerez que l'homme le plus haut euh, dans l'image dans et qui tend son, son drap, qu'on voit ici, est un homme noir. Le voilà. Et euh, derrière, ici, il y a aussi un autre homme noir qui se cache, enfin qui est caché par d'autres personnages. Et donc ça raconte l'histoire d'un bateau qui a, naufrage, euh, qui a fait naufrage sur les, sur les côtes. D'Afrique de l'Ouest, donc vers, vers le Sénégal en fait, euh, et dont les survivants se sont entassés sur un radeau de fortune et ont dû sans doute se manger, etc. Donc ça a fait grand bruit et grand choc à l'époque. Mais que faisait ce radeau à cet endroit Tintin-tin Eh bien, il transportait l'administration coloniale française au Sénégal, précisément. C'est le navire La Méduse, frégate française, qui fait naufrage. Au large des côtes de Mauritanie, entraînant la mort de 160 personnes. Ce naufrage cause un scandale, etc., etc. Mais euh, vous verrez comme beaucoup, fin, comme souvent sur Wikipédia, on ne précise pas le contexte dans lequel l'histoire se passe. Mais si on descend un tout petit peu dans l'histoire, le, dans le naufrage. Voilà. En 1816, la France récupère ses comptoirs au Sénégal. Bon, en fait commence la colonisation concrète du Sénégal, qui était occupé par les Britanniques au cours des guerres de l'Empire. Louis XVIII, celui qu'on a vu, décide d'envoyer des colons prendre possession de ces territoires rétrocédés. Bon alors, l'histoire du... Salut Nibler, bienvenue. Euh... Sonia Lou a fait une très cool vidéo sur le naufrage, si ça vous intéresse. Ah bah trop intéressant, je ne connais pas. Euh, du, coup, euh... du coup, voilà. Si peut-être 13 bis ou... Euh... Ouais, en fait, euh, Fanny Talop ne peut pas mettre de lien. Mais peut-être que 13 bis ou tranche de cake, si vous avez le, le time de checker le, un lien, peut-être, euh, et vous pourrez le partager. Je crois que les modérateurs peuvent le faire, mais pas les autres. Bref, tout ça pour dire, <coughs> la France, en fait, récupère ses, ses comptoirs. Et donc, l'événement Le radeau de la Méduse est directement lié à ce dont nous parle ici Carole Renault paligo le moment où Louis XVIII envoie sur place des militaires, du personnel administratif et des scientifiques euh, voilà pour, euh, pour créer la première école publique à Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, c'est au Sénégal. Je vous montre tout de suite, c'était donc la capitale de l'Afrique occidentale française qu'on a vue tout à l'heure. À quoi ça ressemble Saint-Louis? C'est une ville particulièrement. Euh... Enfin, c'est classé comme une des villes les plus belles belle au monde. Euh, salut Chikentir. Et salut Petit Ça fait plaisir de vous voir ici. Euh, et donc c'est une ville qui est une ville particulièrement coloniale dans le sens, dans, dans le sens architectural, hein, je dis. C'est-à-dire que l'architecture coloniale y est très présente. Tout simplement parce que ça a été longtemps la capitale de, de l'Afrique occidentale française, donc de la colonie Afrique occidentale française, et parce que euh, c'est une des quatre vieilles historiques du Sénégal, donc qui a eu un statut de département français, une des quatre communes les plus vieilles, en fait, qui ont été colonisées par la France. Je crois que ça a été colonisé par la France avant même la Guadeloupe et la Martinique. C'est vraiment un truc. Euh... Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est. Euh, voilà. Saint-Louis fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale en 1659, sa date, établie par des marins de Dieppe en Normandie, sur l'île homonyme du fleuve Sénégal, longue de 2 km et large de 300 mètres. Elle fut baptisée ainsi en l'honneur du roi de France régnant, qui était Louis XIV à l'époque, au travers de son ancêtre et homonyme Saint-Louis. Donc on l'appelait Saint-Louis, voilà. Donc là, vous avez une image de Saint-Louis en 1910, par exemple, une ville typiquement coloniale. Hop, super. Donc tout ça, pour dire, on revient à notre lecture d'article. Je ne vais pas dériver autant euh, pour la, la suite, mais c'était juste pour vous mettre un peu un contexte global. Donc on n'a pas vu qui était Gendar d'ailleurs ça j'ai pas cherché j'avoue en amont parce que j'ai fait des petites recherches en amont mais je regarde vite fait si voilà gendar instituteur français euh, qui est né en 1789 et qui est mort à Saint-Louis du Sénégal et qui a ouvert la première école d'Afrique noire francophone à Saint-Louis au Sénégal et il est le premier il est l'auteur du premier dictionnaire de français wolof ainsi que d'une grammaire de wolof intéressant <laughs> donc c'est lui qui a été envoyé pour fonder en fait la première euh comme ils ont appelé la Réunion l'île Bourbon, effectivement, qui était liée aussi à la royauté française, en fait, le mot Bourbon. On revient à notre lecture d'article. C'est-à-dire Qu'est-ce à dire, qu -à -dire En fait, selon euh, Carole Rénaud paligot l'école est pensée pour être l'auxiliaire de la conquête coloniale. Il faut diffuser la langue française pour pouvoir communiquer avec les colonisés, afin que ceux-ci aident à l'exploitation des territoires conquis. Il fallait que ces hommes et femmes soient partie prenante pour fournir les matières premières et produits agricoles à la France. Il était très important également de leur transmettre le goût des Européens. Ils devaient apprécier et consommer les produits français. Ces objectifs sont restés les mêmes sous tous les régimes politiques. Ça veut dire que là, on a commencé avec la royauté et Louis XVIII, mais ensuite, il y a eu, eu l'Empire, il y a eu des... Euh, Enfin, Troisième République, Quatrième République, Cinquième République, et c'est resté toujours le même principe, c'est ça qu'elle nous dit. Et elle nous parle aussi de la diffusion de la langue française. Ça, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est aussi au Sénégal, en Afrique occidentale française donc, et à Dakar, qu'a été inventé le petit nègre. Euh, si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du petit nègre, qui est un langage, euh, on va dire, aujourd'hui on le voit comme un langage caricatural, qui parle enfin qui est parlé par les personnes noires par exemple dans des BD euh, ou dans, dans des trucs je crois dans Astérix et Obélix par exemple il y a un personnage qui parle petit nègre euh, et dans différents dessins animés il y a eu beaucoup l'usage de ce en gros dans la culture française mais à la base le petit nègre euh, c'est donc un pidgin donc c'est-à-dire une une langue euh, que... une langue véhiculaire simplifiée créée sur le vocabulaire et certaines structures d'une base d'une langue de base en général européenne bon ça euh... C'est intéressant si vous vous intéressez à l'histoire des langues. Elle a, donc le petit nègre a été utilisé, c'était une langue officielle qui a été utilisée entre 1857 et 1954 par des soldats ouest africains et leurs officiers blancs dans certaines colonies françaises et consistant en une version simplifiée du français. Par extension, cette expression a été utilisée pour désigner plus, les, plus largement les autres langues simplifiées. Le petit nègre était enseigné aux habitants indigènes dans l'armée coloniale française, et ce langage est maintenant largement perçu comme raciste. Et donc en fait, le petit nègre ça a été créé par Maurice de la Fosse, qui était un administrateur colonial français, euh, qui vivait donc euh, donc voilà dans l'Afrique occidentale française. Hein. Je crois qu'il vivait même peut-être. À Saint-Louis, justement, mais je suis pas sûr. C'était un linguiste spécialiste des langues africaines, et c'est le premier à rédiger une description du petit nègre qu'il qualifie de simplification naturelle et rationnelle de notre langue si compliquée. Et il en donne une description syntaxique qui tient en une vingtaine de lignes. Alors ça, il faut voir la source. Source, euh, c'est en fait un livre, enfin un document qu'il a écrit qui s'appelle "Vocabulaire comparatif de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire". Et qui est, enfin, qui est lisible sur euh, Gallica, par exemple. Ici, donc, vous avez le texte de Maurice de la, F Maurice de la Fosse, oui, qui euh, présente du coup euh, les langues parlées. Bon, là c'est à la Côte d'Ivoire et les régions limitrophes. Mais vous avez même d'autres textes de Maurice de la Fosse. Si vous cherchez sur Gallica, vous avez tous ces textes en fait, euh, où il explique un peu la construction de du langage petit nègre. Et autre chose aussi intéressante, c'est euh, j'avais avais trouvé ça dans mes recherches. Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais. Qui est un texte qui a été écrit par L. Fournier. Alors, il y a son nom complet un peu après. Hop. Voilà, L. Fournier. Ah non, je n'ai pas son nom complet, en fait, ici. Mais euh, on pourra le retrouver ailleurs. Mais qui explique le français tel que, tel que parlé par les tirailleurs sénégalais. Et c'est publié en 1916. Donc c'était aussi très, li... enfin, très lié à, euh, à la guerre mondiale en fait et à l'importance du fait d'avoir des troupes euh, qui parlent français pour comprendre les ordres de leurs supérieurs sur les théâtres de front euh, européens. Et juste pour vous dire par exemple, si on lit dans ce, dans ce document, j'avance un petit peu, j'avais fait une capture qui était page 17, vous allez trouver par exemple, euh, il explique clairement pour arriver, alors attendez je zoome pour que vous voyez correctement. Pour arriver à se com faire comprendre rapidement des noirs, il faut, que... il faut comme nous l'avons indiqué, en commençant, couler sa pensée dans le moule très simple de la phrase primitive ⁇ sujet, verbe, attribut ⁇ Il faut également, premièrement, réduire le plus possible le nombre des mots employés et par conséquent éviter d'exprimer la même idée par plusieurs mots différents, ce qui dérouterait l'indigène et lui rendrait la compréhension de notre langue très difficile. Ainsi, l'idée de rapidité se traduira par le mot vite. Qui est court et dont la prononciation ne présente aucune difficulté. Pour dire rapide, on dira vite. Pour dire rapidement, on, on se dira aussi vite. Pour dire lent, on dira pas vite. Pour dire lentement, on dira aussi pas vite. Pour dire accéléré, on dira marcher plus vite, etc. Deuxièmement, il faut choisir, pour parler au tirailleur, les mots qu'ils prononcent eux-mêmes sans peine, parce que ce sont ceux qu'ils le retiendront le plus facilement. Il y a en effet des sons que les noirs ne peuvent arriver à articuler. Évitez les mots comme réverbération, par exemple. Voilà, donc là vous voyez un petit peu euh, le, le texte et l'idée en fait qu'il y a derrière la création par exemple d'un langage comme le petit nègre, qui est donc un langage qui est créé par les élites euh, françaises et par les, les, surtout les généraux ou les enseignants français, et qui est ensuite appris à différents peuples euh, africains qui n'ont pas, pas toujours les mêmes langues. Donc il y en a qui parlent par exemple Wolof, il y en a qui parlent d'autres langues, et on essaye donc de leur apprendre une langue commune qui qui puisse comprendre et qui puisse parler aussi entre les différentes langues qu'ils parlent. Et du coup, pour faire ça, on crée cette langue ultra simplifiée qui s'appelle le petit nègre et pleine de préjugés racistes, et euh, qui va ensuite devenir. Enfin, ensuite qui va servir d'injure pour dire que les Noirs parlent mal le français, etc. Mais en fait, c'était la langue qui a été construite par des Français, justement. Bref, c'est toute une histoire compliquée, mais que je trouve passionnante. Je ferai peut-être une vidéo sur la construction du petit nègre. Bref. Ce qui est intéressant dans notre article. C'est qu'ils nous proposent, comme c'est Retro News, ils nous proposent en fait des archives pour illustrer l'article. Donc là, ils ont mis une archive qui s'appelle La mission civilisatrice de la France, qui est parue dans, un, dans la revue politique et littéraire du 4 juillet 1903. Mais je vais pas vous le lire parce que c'est intéressant, mais c'est pas tourné sur l'histoire coloniale vraiment en fait. Je vous conseille de le lire si vous avez du temps parce que c'est long en fait, mais c'est trop intéressant. Ils expliquent. Comment... Alors déjà je vous dis, le gars qui a écrit ça, il s'appelle. Hop Il s'appelle... Euh... Achille Ségard. Et donc ce qu'il qu nous dit, c'est qu'en fait, il vante les mérites de l'universalisme la... de la langue française comparé aux autres langues européennes avant tout. Donc là, c'est vraiment une apologie de la langue française par rapport aux autres langues européennes. Et du coup, d'où... Le, la nécessité du rayonnement de, du français en Russie, en Espagne, en Italie, les peintres, euh, enfin les peintres, que je raconte, les poètes, euh, les, euh, les penseurs, penseuses, romanciers, romancières françaises, etc. Et donc euh, c'est vraiment ça. Et donc on voit que l'idée de mission civilisatrice de la France, elle s'applique pas que à son empire colonial, mais à cette époque, elle est pensée euh, vraiment en termes de rayonnement universel. Euh, voilà. Et alors pour tous les liens, petit cam, comme tu demandes, tu peux faire point d'exclamation source. Tu vas voir, il y a le lien d'un trello qui va apparaître. Et sur mon trello, il y a toutes les... Voilà. Merci 13 bis. Il y a toutes les sources qui sont, qui sont ici. Euh, là, la source de ce live n'est pas encore bien mise en page. Donc ça ressemble. C'est assez moche, je te montre ici rapidement. C'est sur mon trello. Quand on clique là, euh, voilà, il y a toutes les sources qui sont, qui sont ici. Mais après, je vais la mettre mieux en forme. Il y aura les titres de chaque article, etc. Donc pour l'instant, tu vas un peu galérer à trouver. Mais juste à la fin du live, tout sera, tout sera accessible. Cette école était-elle obligatoire pour Alors, l'école dans les colonies. Elle a été uniquement obligatoire pour les enfants de colons français, et seulement à partir de 1883 avec les lois Jules Ferry. Le caractère obligatoire de l'instruction ne concernait pas les indigènes, sauf si le gouverneur général en décidait autrement pour sa, pour sa circonscription. Mais ce cas de figure n'est jamais advenu. C'est-à-dire que en fait, ça a toujours été obligatoire pour les enfants de colons qui étaient donc des citoyens français, mais pas pour les indigènes. Ils pouvaient faire à peu près pas ce qu'ils voulaient, mais voilà, ils n'étaient pas obligés. Donc, on nous parle des lois Jules Ferry, 1883, très important de se rappeler du contexte. Donc ça, c'est déjà la Troisième République. Les lois Jules Ferry, je vous montre, voilà. C'est une paire de lois sur l'école primaire en France qui sont votées dans les années 1880. Qui rendent l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire et participent à laïciser l'enseignement public. Donc on nous parle souvent de Jules Ferry comme la figure de cette école, justement laïque, gratuite et obligatoire. Et effectivement, c'est très important euh, de, de s'en se, rappeler. Euh, mais ce qu'il faut expliquer aussi dans le contexte de cette époque et du personnage de Jules Ferry, c'est que oui, il met en place cette loi, mais pour la question coloniale, puisqu'à l'époque, la France est un empire colonial, donc il y a certes la métropole. Dans laquelle s'applique cette loi, il y a certes les enfants de colons auxquels s'applique cette loi aussi, mais que dire des, de tous les enfants de l'Empire colonial qui sont donc indigènes ou colonisés ben, euh, et donc l'école déjà n'est pas obligatoire pour eux, mais surtout <coughs> la logique de Jules Ferry, c'est justement lui qui met en place cette idée de mission civilisatrice euh, française. Par exemple, on peut lire son, son discours le plus célèbre du 28 juillet 1885, que vous pouvez lire sur le site de l'Assemblée nationale. Euh, où il explique ici, par exemple. Je vous lis quelques petits bouts, mais je vous lis pas tout et je zoome pour que vous puissiez voir parce que sinon c'est tendu. Voilà, messieurs. Donc ça c'est Jules Ferry qui parle. Donc il est à l'Assemblée nationale hein, en France et il y a plein de gens qui le clashent. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que les gens ne l'aimaient pas forcément hein, à son époque, pas tout le monde en tout cas. Et, euh, et surtout, on l'appelait Monsieur le Tonkinois, puisqu'il était, était lié à une grosse affaire, à une grosse polémique liée à la colonie du Tonkin, qui est un des territoires de l'Indochine, donc on l'a vu juste avant dans, le, dans la petite carte de l'Indochine. Jules Ferry nous dit Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures et la rumeur sur plusieurs bancs à l'extrême gauche. L'extrême gauche n'est pas contente du tout d'entendre ça. D'ailleurs, M. Jules Maigne, je ne sais pas s'il est d'extrême gauche lui ou pas, il dit, oh, vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme Il y a M. Guilloté qui répond aussi, c'est la justification de l'esclavage et de la traite des nègres. Et M. Jules Ferry qui se défend, il dit, si l'honorable M. Maigne a raison, si la déclaration des droits de l'homme a été écrite pour les noirs de l'Afrique équatoriale, alors de quel droit Allez-vous leur imposer les échanges et les trafics Ils ne vous appellent pas. Interruption à l'extrême gauche et à droite. Très bien, très bien sur divers bancs à gauche. Donc, c'est à dire que la gauche est avec Jules Ferry, l'extrême gauche et la droite sont contre Jules Ferry à ce moment-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, ils n'étaient pas particulièrement contre la colonisation. Hein, l'extrême gauche et la, Pardon, et la droite ils étaient tout simplement pour une autre forme de colonisation et ne pas parler de pour ne pas parler de missions civilisatrices en fait eux ils parlaient plutôt de commerce euh, et de voilà de commerce avec différents territoires donc c'est pour ça que Jules Ferry dit non pas d'échange pas de commerce c'est pas ça notre justification euh, lui, il veut plutôt euh, dire que voilà, il y a, y a une ci... enfin, une, un devoir de civilisation. Et je vous, voilà, on continue à lire. Monsieur Raoul Duval qui dit nous ne voulons pas les leur imposer. C'est vous qui les leurs imposez. » Donc ça, il parle des échanges et des trafics. Jules Meigne, il dit proposer et imposer sont des choses fort différentes. Jules Meigne, il veut proposer des échanges et des trafics commerciaux. Monsieur Georges Perrin aussi qui réagit vous ne pouvez cependant faire des échanges forcés. Vous ne pouvez pas cependant faire des échanges forcés. Et Monsieur Jules Ferry. Qui répond encore une fois, je répète, ce qu'il y a pour les races supérieures, un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc là, la gauche qui fait des grandes marques d'approbation, donc ils font bravo, 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 et euh, des nouvelles interruptions à l'extrême gauche et à droite. Donc là, ça crie, ouh, ah, Burke. Joseph Fabre qui dit c'est excessif vous, abou vous aboutissez ainsi à l'abdication des principes de 1789 et 1848 il y a un grand bruit et à la consécration de la loi de grâce remplaçant la loi de justice Monsieur Vernes qui dit alors les missionnaires ont réussi leur droit ne leur reprochez donc pas d'en user bon ça c'est un débat complexe <laughs> je vous laisserai lire le truc en entier euh, Monsieur le président qui tient pas du tout sa séance ça c'est le président de l'Assemblée il est totalement débordé par, par l'embrouille il dit n'interrompez pas Monsieur Vernes et Monsieur Jules Ferry qui essaye de répéter je dis que les races supérieures, et il se fait interrompre, protéger les missionnaires alors. Euh, on lui dit encore, n'interrompez pas. Monsieur Jules Ferry, qui essaie de répéter, je dis que les races supérieures ont des devoirs, et il se fait encore interrompre, allons donc. Et Jules Ferry explique, ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale. Ils n'accomplissaient pas leurs devoirs d'hommes de race supérieure. Donc là, il accuse les Espagnols d'avoir mis l'esclavage euh, en Amérique. Et que ça c'était pas leur devoir d'homme supérieur de race supérieure. Pourtant les Français ont aussi fait ça hein, avec l'esclavage aux Antilles. Mais bon. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Bref, je vous laisse lire la suite. Moi j'ai chopé le livre qui est important, euh, intéressant. Ça s'appelle La politique coloniale. Clémenceau contre Ferry qui est un livre qui retrace justement tout ce débat et vous allez voir que c'est un débat hyper complexe où ceux qui sont contre Ferry sont pas non plus contre la colonisation et ça nous montre aussi qu'il y avait vraiment une opposition très forte à cette idée de mission civilisatrice c'était pas du tout un truc unanime et c'est vraiment Jules Ferry qui a forcé le truc avec la gauche de l'époque sous la Troisième République et c'est devenu ensuite l'idée que tout le monde était pour civiliser les colonisés mais c'était pas le cas, tout le monde n'était pas pour cette idée Je continue la lecture de notre article. Et je lis vos commentaires aussi. Quand on dit extrême gauche, c'est le groupe parlementaire. Oui, effectivement. Merci 13bis pour les liens. Julien Maine, il siège à l'extrême gauche selon Wiki. Ok, super. Jusqu'à maintenant, que ça soit la gauche ou la droite française actuelle, n'est en aucun cas contre le néocolonialisme même. Et oui, effectivement, euh, peu importe les partis politiques euh, en, en France, c'est vrai qu'il y a toujours eu. Euh, enfin, il y a eu peu de remises en question réel du néocolonialisme et du colonialisme en tant que tel. À part les communistes euh, à l'époque euh, bah, où le parti communiste est né et a émergé, il y avait vraiment une volonté anticommuniste. On l'a vu avec René Vautier, par exemple, qui a fait son film Afrique 50. Mais c'était aussi dans une logique. Euh, voilà, on, on connaît ce que ça a donné euh, le communisme ensuite. Bon, on peut avoir être euh, critique de ce qui s'est passé. En tout cas, c'était les seuls à avoir un message, en tout cas les seuls que je connaisse, à avoir un message clairement qui disait anticolonial. Mais on sait que c'était aussi dans une logique de. C'est pas colonial, mais c'était une autre forme d'impérialisme aussi, le Parti communiste de cette époque. Mais qui n'était pas colonial, effectivement. Il voulait civiliser, mais l'école n'était pas obligatoire. Ouais, c'est ça qui est assez étrange. Après, il y a des choses qu'il voulait faire, Jules Ferry, et il y a le Parlement, etc. Il y a plein de, de choses en France qui font qu'il n'était pas forcément. Euh, il n'avait pas forcément le temps de. Comment dire Enfin, il ne pouvait pas forcément faire tout ce qu'il voulait, c'est ça que je veux dire. Alors, euh, salut Pantale P Pantalemont, excuse-moi. Eh bien, ravi que tu sois tombé sur cette chaîne au hasard, c'est trop cool. N'hésite pas à partager et tout et à en parler. On parle d'histoire coloniale et donc le sujet l'école dans les colonies françaises, un instrument de domination. Donc, on continue la lecture de notre article. En quoi consistaient les programmes scolaires Eh bien, selon Carole Reynaud, euh, Ah, merde, j'oublie à chaque fois son nom. En entier. Bon, elle nous dit en tout cas, ils étaient extrêmement simples. C'était un savoir tout ce qu'il y a de plus basique. La France avait besoin de main-d'œuvre, et notamment d'ouvriers agricoles. Pour cela, quelques rudiments de français, un peu de calcul, un peu d'hygiène et un peu de civilisation étaient suffisants. Il fallait également transmettre l'amour de la patrie colonisatrice. Assez vite, cependant, un projet un peu plus ambitieux a vu le jour. Il s'agissait de former une petite élite destinée à occuper des emplois dans les secteurs du commerce et de l'administration, mais toujours dans une position subalterne. Et assez vite également, l'idée de former en priorité les fils de chefs a pris forme. Le but était qu'ils puissent servir d'appui à l'expansion coloniale. Alors, ça, c'est un sujet euh, très très intéressant, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée de chef, c'est aussi une idée euh, coloniale, enfin qui vient avec la colonisation, c'est-à-dire que la colonisation pour fonctionner a toujours besoin de collaboration. Ça veut dire que ce n'est jamais des Blancs qui arrivent, euh, qui ravagent tout et qui euh, mettent en, en domination les populations euh, locales. C'est les Blancs qui arrivent et qui travaillent avec les chefs locaux. Pour ça, ils créent des chefs, ça veut dire qu'ils vont donner du pouvoir et reconnaître certaines personnes comme chefs, qui ne sont pas forcément les personnes que le peuple local reconnaît comme chefs. Donc ça, c'est une question donc, de la collaboration. Qui collabore à l'entreprise coloniale et quels sont les intérêts, la complexité de cette collaboration et c'est un truc qu'il qui faut vraiment creuser quand on s'intéresse à l'histoire coloniale, parce que ça s'est toujours fait dans la collaboration, en fait. Autant que euh, l'Allemagne nazie a pu envahir la France euh, avec la collaboration. Dans tous les cas, il euh, y a toujours un lien avec la colonisation, c'est pas que, euh, voilà, une domination. Euh, et il faut se poser la question de comment ça s'est mis en place. Et donc là, euh, le 19e siècle, donc c'est un, un journal qui nous parle, qui est publié le 2 mai 1900, et qui, fait, et, qui explique une école de colonisation qui nous parle d'une école de colonisation. Je vous, je vous zoome un petit peu le truc pour que vous puissiez voir. Non, déjà, je dézoome pour que vous voyez où c'est paru. Donc, c'est un journal qui s'appelle Le 19e siècle, qui est paru en 1900, donc comme je disais. Et donc, dans sa une, on a un article appelé Une école de colonisation. Et c'est l'école de Joinville-le-Pont, où il y a des enseignements par pratiques pour former des colons. Et euh, on nous parle des encouragements nécessaires. Donc là, je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse. Euh, le défaut d'instruction coloniale, on nous... Enfin bon, voilà. On parle de plusieurs choses, mais ce que je veux vous lire, c'est euh, voilà, le plan d'études. Qu'est-ce qu'on apprend aux élèves dans cette école, qui est située à Joinville-le-Pont, donc en France, métropolitaine, pas dans une colonie. Ici, on y éduque les futurs colons, donc qui sont des personnes blanches, pas des personnes indigènes. Les futurs colons étudieront ici l'agriculture générale, l'arboriculture, l'horticulture, la chimie agricole et industrielle. Tout ça pour vous dire que quand on parle d'écologie décoloniale aujourd'hui, il faut bien se rappeler que la colonisation, elle est toujours liée à un projet euh, agricole, d'agriculture, etc. C'est toujours lié à des questions, en fait, écologiques. D'où l'importance, euh, aujourd'hui, de parler d'écologie de, décoloniale. Et là, je vous conseille le livre de Malcolm Ferdinand euh, pour une écologie décoloniale, que j'ai ici, d'ailleurs. Je fais tomber toute ma bibliothèque. Voilà une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand qui parle plutôt de la situation euh, aux Antilles françaises donc euh, voilà mais mais qui propose plusieurs bases pour réfléchir à cette notion d'écologie décoloniale. Qu'est-ce qu'on leur apprendra à ces élèves On leur apprendra à se servir non de laboratoires aux ressources multiples qu'ils n'auraient pas à leur, dis pardon, à leur disposition aux colonies mais on leur apprendra à se servir d'outils simples et d'usage communs, qu'ils devront en général apprendre à fabriquer eux-mêmes. Ils recevront des notions de médecine, d'art vétérinaire et d'hygiène pratique. Ils apprendront enfin tout ce, qui do tout ce que doit savoir l'émigrant qui entreprend la dure existence de producteur colonial. Là, on parle d'émigrants. Un tel enseignement n'existait pas en France avec un programme aussi complet et aussi pratiquement utilitaire. La création de cette école dans la plus heureuse situation, au centre de la France, aux portes de Paris. Rendra de précieux services à la colonisation française et il n'est pas douteux que l'entreprise sera couronnée de succès. Et après, on nous parle des encouragements nécessaires. Quel que soit l'empressement avec lequel nos jeunes gens se porteront vers le nouvel enseignement qui répond à tant de vœux, il faut que la tentative du docteur Rousseau soit publiée, propagée, encouragée par tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de la plus grande France. Ça, c'est ce qu'on appelait l'Empire colonial, on appelait ça la plus grande France à l'époque et la prospérité nationale. Donc, docteur Rousseau, c'est lui qui a fondé cette école de colonisation. Avec nos confrères de la presse coloniale, nous pensons que des bourses devraient être créées par les pouvoirs publics pour faciliter aux jeunes gens peu fortunés l'admission à cet enseignement essentiellement pratique. Dans nos campagnes, ils sont nombreux. Les vaillants, robustes, autant qu'intelligents, énergiques et laborieux, qui, au lieu de languir dans l'attente d'un poste peu rémunérateur, accueilleraient avec joie l'occasion de déployer aux colonies les ressources de leur ardeur et de leur initiative si on leur en facilitait les moyens. Les grandes sociétés d'expansion coloniale, les colonies elles-mêmes, et les maisons intéressées, les conseils généraux et municipaux pourraient collaborer à cette œuvre nationale qui n'est qu'à ses débuts. Donc là, vous voyez que... La logique de cette époque, avec la création par exemple de cette école coloniale, c'était vraiment d'envoyer de, des personnes euh, plutôt de milieu rural qui étaient désœuvrées dans une France euh, bah, où il y avait des problèmes en fait, de répartition, euh, de, de. Comment on va dire ça Pas de l'embauche, ça ne fonctionnait pas non plus avec le salariat tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait un problème d'activité. Et d'instruction de, aussi des gens. Et donc, on promettait à des personnes de milieu rural qui étaient plutôt, entre guillemets, défavorisées, en tout cas de classe euh, populaire paysanne, euh, d'avoir une meilleure vie dans les colonies. Et pour ça, il fallait les inciter à bouger. Et donc, on avait des écoles comme celle-ci et toute une propagande coloniale qui leur vendait, en fait, le rêve d'une vie meilleure dans les colonies, en fait, par contraste avec la vie dans les campagnes françaises qui étaient, euh, je ne sais pas si on peut dire mal administrées, mais en tout cas, il y avait des questions de politique euh, interne à se poser. Euh, donc ça c'est intéressant et ça me fait penser à un article que j'avais trouvé euh, que j'avais partagé sur ma chaîne Instagram et qui s'appelait enfin qui était publié dans la Dépêche coloniale illustrée qui avait été publié alors c'était en 1909 avril 1909 le 30 avril qui s'appelait les orphelins colonisateurs et quand j'avais vu ça j'étais en mode waouh c'est quoi ce délire et donc il euh, y avait la photo de ce monsieur qui s'appelle l'abbé Croc qui était le directeur général d'une école pour orphelins colonisateur Et c'est un article trop passionnant où en fait il explique que ce monsieur l'abbé Crow, alors je vous lis un tout petit un tout petit bout, il a été interviewé et tout, donc l'auteur de l'article dit, il se souvient ensemble non, je me souviens encore me disait l'ami qui me faisait cette attache en récit. Le jour où sous le magnifique cèdre du Liban qui couronne de sa verdure éternelle le parc de Fabiarg, il me disait, donc ça c'est l'abbé Crow qui disait avec l'enthousiasme particulier des apôtres, devant lequel apparaît enfin la route à suivre, il disait ⁇ J'ai trouvé ⁇ mon œuvre s'appellera La colonisation par les orphelins. Et il m'exposait toute l'économie de son œuvre, son organisation prochaine, la transformation du domaine familial, où l'on entendrait des voix d'enfants heureux de vivre, il rayonnait. Et en fait, donc, il a cherché des, des soutiens auprès de, des lobbies coloniaux, ce monsieur, pour ouvrir une, une école dans laquelle il recueillait des orphelins français de milieux plutôt rural et paysans ou des grandes villes. Il y avait beaucoup d'enfants abandonnés à cette époque. Et euh, il, euh, il les recueillait et ensuite il leur apprenait tous les rudiments de la colonisation pour les envoyer vivre dans les colonies. Et c'est un truc passionnant, donc il avait fabriqué son école dans son domaine familial, c'était quelqu'un qui avait quand même un peu d'argent, hein, un abbé. Et donc vous avez toute l'interview qui est trop passionnante où il explique vraiment avec passion son projet. Donc là, vous avez euh, <coughs> l'abbaye en question qui servait d'école coloniale, du coup, d'école d'orphelins coloniaux. Et vous avez à la fin ce que je trouve plus passionnant. J'avance un petit peu plus vite. Là, voilà, il y a l'intérieur de l'école. Bref, bref. Bon, il y a plein de témoignages intéressants. Euh... Et tout à la fin. Enfin, là, voilà, vous avez le personnel de l'école. Tout ce beau monde en photo, qui sont des religieux quand même. Hein, il faut le dire. C'était très re... très lié à l'Église à... À catholique tout ça. Une leçon de labour pour les futurs euh... Les futurs coloniaux, avant de les envoyer dans les différentes colonies. Hop. <coughs> et. Voilà. Et une photo de la promo. Un groupe d'enfants. Et tout ça, je trouve ça passionnant parce que ça parle aussi de la misère, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir euh, dans, les... dans les villes et dans les campagnes françaises de cette époque. Et qui expliquait pourquoi il y avait une main-d'œuvre aussi. Euh... Enfin, en tout cas, il y avait des candidats aussi. Euh, nombreux, enfin c'est pas forcément des candidats, mais des gens qui, à qui on proposait aussi facilement de pouvoir aller aux colonies. Et ces gens-là, qui étaient éduqués seulement à coloniser, euh, vous imaginez la mentalité dans laquelle ils arrivent dans une colonie, où on leur a dit que les nègres sont paresseux, qui ne savent pas développer leur truc, et que toi, t'es le super colon qui va pouvoir rendre la terre viable, et qu'on t'a sorti en plus de ta misère pour t'envoyer euh, faire l'œuvre de la plus grande France. Enfin, vous imaginez un peu l'état d'esprit des personnes quand on les envoie ensuite dans les colonies, quoi. On reprend la lecture. On n'en a plus pour très longtemps, parce que c'est un article plus court que l'autre fois. Ah oui, aussi, il y a un article à lire trop intéressant. La prostitution coloniale au Maghreb, une histoire, histoire d'une réalité taboue. Euh, qui est... Bon, je ne vais pas l'ouvrir là, mais vous pouvez lire ça sur, euh, sur Gallica, c'est passionnant. Ça fait penser au truc. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Merci 13bis pour les envois de liens. L'histoire crépus est déjà un bon début, c'est aussi pédagogique et il n'y a rien de meilleur arme que l'éducation. Yes, il faudrait monter un parti politique ou un club de réflexion qui soit à l'écoute de notre génération de descendants d'immigrés et migrants. Aucun parti politique actuel répond à l'aspiration et aux idéaux de la génération. Ouais, sans entrer dans un rhétorique de dualité générationnelle avec les boomers. Effectivement, il <laughs> y a eu déjà le parti des indigènes de la République qui a tenté de proposer quelque chose. Ça s'est plutôt cassé la gueule. Ça n'a pas du tout fonctionné et surtout c'était très... Euh... Enfin, c'est pour ça que, par exemple, la, la, toute la mouvance décoloniale est très critiquée par tous les partis. C'est beaucoup en lien avec ce parti-là. Donc si ça t'intéresse, pour même penser euh, des choses de suite, il faut regarder ce qui s'est fait à ce niveau du Parti des Indigènes de la, le parti des Indigènes de la République et voir euh, qu'est-ce qu'il y a de, de critique à faire pour penser euh, vraiment des propositions politiques qui parlent de, de cette génération, etc. Après, il y a plein d'autres groupes, mais là, j'y pense, parce que c'est ceux qui se sont engagés le plus récemment, en tout cas, en politique avec cette idée. Euh, Gallica qui envoie des paillettes tout le temps. C'est un beau site qui marche. ouais Franchement, c'est génial, Gallica. Ça fait penser au truc de volontourisme ou d'évangélisation aujourd'hui. Effectivement. Ouais, euh, Ça fait vraiment penser au volontourisme. Je pense que cette logique, parce qu'elle est toujours liée au développement, en fait. Euh, donc, euh, le, le développement, c'est une idéologie qui est vraiment liée à la colonisation. Et aujourd'hui, on vous parle d'aide pour le développement. On vous parle d'aller en projet pour développer une zone en Afrique ou en Asie, etc., qui sont souvent en anciennes colonies, comme par hasard, qui sont pas suffisamment développées et qu'il faut aider à se développer. Euh, et cette logique de qu'est-ce qu'on appelle le développement vient de cette même idéologie de comment on va développer les choses en tant que colon euh, dans les colonies. Et du coup, il faut vraiment essayer de déconstruire, c'est quoi les règles, c'est quoi l'objectif du développement, en fait. Pas forcément dire qu'il faut pas se développer, hein, ce n'est pas ça la question, mais juste... Qu'est-ce qu'on appelle se développer Et c'est quoi la direction qu'on pense pour le développement Et d'où nous vient cette histoire du développement et ce concept de, du développement Bref. Oui, et suivre son histoire, c'est quand même mieux que le pire. Effectivement. <laughs> ah non, c'est quand même... Attends, oui, et suivre son histoire, c'est quand même vieux le pire. Ah, excuse-moi. J'ai... Ouais, mais en tout cas, euh, moi, je suis pas forcément... T... Bon, bref. Je vais pas parler ou cracher chez, chez, sur les gens. Alors, la fameuse méritocratie républicaine ne s'appliquait donc pas. Non en effet, il y a eu, mais il y a eu certaines évolutions notables. Sous la Troisième République, les écoles régionales, qui étaient l'équivalent du collège, ont vu, ont vu voir le jour, ont pu voir le jour, je pense. Puis plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la France a développé un enseignement technique supérieur, notamment en Afrique occidentale française, pour répondre à une demande grandissante en personnel formé. Il fallait par ailleurs compenser la dette de sang. Car les tirailleurs sénégalais s'étaient courageusement battus sur les champs de bataille. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est que, bah, en fait, euh, il a fallu faire des concessions et éduquer un peu plus euh, les, les indigènes, étant donné surtout euh, voilà, le sacrifice qu'avaient fait les tirailleurs sénégalais. Et euh, une constante a cependant demeuré. L'école coloniale avait un fonctionnement schizophrénique. D'un côté, il ne fallait pas trop instruire, pas par peur que les colonisés ne remettent en cause leur domination. Et de l'autre, il fallait donner satisfaction à ceux qui aspiraient à profiter de l'enseignement français, par peur des mouvements de révolte. Et il y a toujours eu des écoles. Il y a toujours eu l'école des Français et ce deuxième réseau qu'on appelle l'école des indigènes. Et sur ce sujet, j'ai tapé sur Google école des indigènes et vous avez un certain nombre d'articles qui expliquent. C'était notamment en Algérie hein, ce phénomène d'école des indigènes. En tout cas, c'est ce qui est le plus documenté. Euh, et donc l'école des indigènes en Algérie, à la fin du XIXe siècle, l'expérience de maîtres français et indigènes dans le sud-est algérien au cours des années 1895-1897. <laughs> Là, vous avez euh, l'explication du contexte euh, scolaire en Algérie à cette époque, et des différences qu'il peut y avoir justement entre les étudiants et étudiantes indigènes et français, mais aussi entre les enseignants, et enseignantes indigènes et français. Sur ce sujet, j'avais trouvé d'ailleurs un autre article qui était trop intéressant et que j'ai pas là. Je pourrais peut-être vous le présenter une autre, une autre fois. Donc vous tapez École des indigènes et vous allez trouver un certain nombre de sources. Si ça vous intéresse, à checker sur Percé, sur euh, Journal Open Edition et autres. Et je vous laisserai un peu fouiller. Alors, on revient à l'article. Peut-on dire parce que du coup, on a une école pour les Européens, pour les Français, mais en vrai, il y avait les Français plus les Européens blancs du type italien, espagnol, etc. Et une école pour les indigènes, clairement qui ne sont pas en gros les populations blanches, et qui sont donc dans le statut d'indigènes de... et donc de sujets français et non pas de citoyens. Il y a une expo au Musée de l'éducation à Rouen sur l'école en Algérie. Ah, trop bien. <coughs> trop intéressant. Peut-on dire qu'il s'agissait d'un système éducatif pratiquant la ségrégation, du coup, puisqu'il y a deux types d'écoles Eh bien, oui. Selon Carole Reynaud-Paligo, oui, car c'était le cas. Et paradoxalement, la France ne voulait pas être accusée de cela. Rappelons qu'il faudra attendre les années 1950 pour que le principe de légal accès à l'éducation soit rétabli notamment parce qu'à partir des années 1910, les colonisés ont manifesté une frustration grandissante, car ils n'acceptaient plus ce fonctionnement. Ils aspiraient au même enseignement. Ça c'est intéressant parce que la France ne se présente jamais sur l'histoire de la ségrégation. Quand on parle de ségrégation, on parle toujours des États-Unis et on parle toujours de l'Afrique du Sud, mais jamais de la France. Or, en France, il a existé une ségrégation, notamment dans l'Empire colonial, et il continue en réalité d'exister une ségrégation, même si elle n'est plus forcément officielle. Et donc, ça, c'est intéressant de se poser la question pourquoi on n'en parle pas Pourquoi on n'assume pas cette histoire Et, et qu'est-ce que c'est en fait cette histoire de ségrégation concrètement Est-ce qu'on a de la matière un peu pour en parler Parce que là, on en a dit oui, c'était le cas, mais quels sont les exemples concrets Il faudra lire le livre de Carole Renaud-Paligo pour en apprendre plus, j'imagine. <laughs> et euh, et l'autre chose intéressante, c'est qu'on nous dit souvent aussi que la France a éduqué finalement ces euh, indigènes et ces colonisés, donc elle a apporté ça fait partie des trucs positifs dont on parle en France, quand on dit la colonisation positive, mais euh, concrètement, ce que nous dit ici Carole Renault-Paligaud, c'est que les colonisés ont dû manifester et se mobiliser pour essayer d'avoir le même enseignement que les Français, parce que sinon c'était un enseignement vraiment trop basique qui servait que à servir en fait l'Empire colonial français, et pas du tout à atteindre une forme d'indépendance ou de développement quelconque. Euh, je lis un peu vos commentaires. <coughs> « Comme la précarité et le chômage a fait augmenter l'extrémisme religieux en France, que ce soit de tous bords la propagation des témoins de Jéhovah aux salafistes, c'est aussi l'exclusion sociale qui fait qu'on en est là en France. Bon, » En tout cas, c'est sûr que la question de l'exclusion sociale rend les choses beaucoup plus... Euh, comment on va dire ça Beaucoup plus radicales, euh, c'est sûr, et, et met les gens dans des, dans des moods particuliers. Après, je sais pas pour euh, le salafisme et les témoins de Jéhovah si c'est lié directement à ça. Mais ce serait à, à, à chercher documenter. Oui, avec les passeports indigènes dans les colonies pour que les populations indigènes puissent circuler à l'intérieur de leur propre pays. Ouais, effectivement, il y a, cette, euh, il y a ce, ce truc-là. Il y avait des passeports indigènes. Alors ça, je n'ai pas de source. Mais si tu en trouves, euh, ce serait intéressant. Je sais que tu ne peux pas partager de lien ici, mais tu peux au moins écrire le titre d'un article si jamais tu trouves un truc sur ce sujet ou alors euh, partager sur le Discord. Le lien du Discord est dans ma bio ou sinon tu fais euh, point d'exclamation. Forum, je crois, au point d'exclamation Discord, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis une commande. Ah super, merci pour l'exposition. Trop bien. Alors, petit à petit, l'administration coloniale a desserré les taux. Certains jeunes ont alors manifesté le désir d'aller faire des études universitaires en France. Mais les bourses étaient accordées avec parcimonie. Est-ce que ça s'écrit comme ça, parcimonie J'ai un bug là. C'est pas avec un T Genre, c'est moi qui attends je vérifie parce que ah non c'est comme ça moi j'étais sûr que c'était avec un t genre p a r t Simonie, Bon, OK avec parcimonie on a appris un truc aujourd'hui et à la suite d'un examen implacable de chaque dossier ce fut le cas donc là ce qu'ils nous ont dit c'est que il euh, y avait des bourses qui étaient euh, qui pouvaient être données euh, pour les, les, colo... enfin, les coloniser. les pour aller faire leurs études en France mais c'est des bourses vraiment données que aux meilleurs des meilleurs c'était genre sélectionner l'élite et avec des, une, des conditions vraiment spéciales pour être sûr en plus que cette élite ne se retourne pas contre la France. Bon, en réalité, beaucoup de ces élites ont fini par adopter des points de vue indépendantistes une fois leurs études faites en métropole. Et moi, mon grand-père a d'ailleurs bénéficié d'une bourse de ce type pour venir étudier en France alors qu'il était ivoirien pendant l'époque coloniale. Enfin, il est né pendant la colonisation et il a bénéficié d'une de ces bourses pour venir étudier l'agronomie en France. Très intéressant que j'ai appris à force de poser des questions à mes parents, genre, mais comment il a pu être en France à cette époque C'était l'époque coloniale, comment il a pu Eh bien, en fait, c'était une bourse. Il faut que je trouve d'ailleurs laquelle exactement. Ce fut le cas notamment de Léopold Sédar Sangor qui a pu devenir agrégé de grammaire après avoir étudié à la faculté des lettres de l'université de Paris. Mais pour cela, il a dû faire une demande de citoyenneté car il était considéré en métropole comme un sujet français et pas comme un citoyen, puisque c'était un. Quelqu'un qui venait de l'Empire colonial, bah, du oui, c'était un sujet, il n'a pas les mêmes droits que, euh, que les citoyens. Alors, Léopold, Léopold Sédar Senghor, qui est-ce Si vous ne connaissez pas ce monsieur, est très très important dans l'histoire coloniale française, dans l'histoire décoloniale française aussi. Donc c'est ce monsieur, Sénégalais, enfin né, euh, en tout cas, euh, il est né où exactement Il est né à Joal au Sénégal, voilà, et il est mort en France en 2001. C'est un poète, écrivain, homme d'État français, puis Sénégalais. Pourquoi français puis Sénégalais Parce qu'il était d'abord euh, euh, dans, le, dans le régime colonial, donc il était euh, député, je crois. Euh, député <coughs> des... Euh, voilà, il fut le premier Africain à siéger à l'Académie française, oui. Mais avant ça, il a été... Bou, 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 pff, député français, voilà. Député pour la circonscription du Sénégal et de la Mauritanie. Donc c'était à l'époque où les colonies avaient enfin des sièges au sein de l'Assemblée française, bah lui, il était député, donc français. Puis, quand le Sénégal a obtenu son indépendance, il est devenu <coughs> président de la République du Sénégal. C'est un personnage complexe, et c'est intéressant de voir un peu qui c'est, parce, euh... parce que on ne peut pas dire que c'était totalement un... Je ne sais pas comment dire ça. C'est un personnage complexe dans le sens où il a été député français avant d'être président d'un pays indépendant. Mais comme d'autres... Est-ce que c'était un radical anticolonial Non, c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui a collaboré avec la France dans la complexité de son, de son époque <laughs> et qui même une fois devenu indépendant a continué à maintenir des liens quand même privilégiés avec le pouvoir colonial, enfin néocolonial français qui était en train de se créer. Et, euh, et c'est un personnage complexe, mais qui a aussi beaucoup écrit. Et donc c'est intéressant. Moi, j'ai jamais lu encore ce qu'il a écrit, mais il est beaucoup connu en fait pour. Euh bah pour son, son œuvre littéraire en fait, et il a participé à la création <coughs> du courant la, du concept de la négritude, concept très important pour pour la question antiraciste, décoloniale, afrodescendante en général. Voilà pour Lé Léopold Sédar Senghor. Et, euh, et la question des sujets français, j'avais trouvé aussi un article publié sur Kern Info. Euh, là, je zoome un peu. Pareil, je mettrai tout... Enfin la référence sera accessible facilement sur le trello ensuite. Citoyens et sujets de l'Empire français, publié par Emmanuel Sada en 2003, euh, donc qui est accessible sur Kern, vous pouvez le lire entièrement gratuitement. Et donc là, ça parle des usages du droit en situation coloniale. Et donc ça explique euh, voilà, comment alors je vous, je vous lis le résumé. Cet article analyse ce que les catégories les plus essentielles de l'ordre politique colonial, celles de citoyens et d'indigènes, doivent aux constructions juridiques c'est-à-dire en quoi elles ont été construites par la loi, en fait. Le pluralisme juridique mis en place progressivement dans l'Empire français impliquait que chacune des populations relève de normes spécifiques. Code civil pour les uns, donc ça, c'était le code civil qui s'appliquait aux citoyens français, qui étaient généralement des personnes blanches, droit musulman ou coutume pour les autres, qui étaient principalement des indigènes, et qui ne relevaient donc pas du même droit que les Français. Que les Français citoyens, je veux dire. Parce étaient tous Français, mais pas au même degré. Il a été l'instrument privilégié de la ségrégation coloniale, donc ce dont on ne parle jamais en France, puisqu'on ne parle que de la ségrégation aux États-Unis, et du maintien des appartenances collectives, donc ce qu'on appelle aujourd'hui communautarisme, qui était quelque chose en fait de légalisé par la, la juridiction coloniale française, puisque vous étiez lié, euh, enfin vous étiez contraint, entre guillemets, à être dans le droit musulman ou dans les coutumes. Pour, euh, si vous étiez indigène et donc vous n'aviez pas accès au statut de citoyen. Donc s'intéresser à cette histoire, c'est aussi beaucoup remettre en question ce qu'on dit aujourd'hui de zones de non-droit en France, où les lois de la République ne seraient pas appliquées, etc. Ben en fait, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais par contre ça l'a été dans l'histoire et c'était euh, le droit français qui l'a mis en place. C'était pas les populations nécessairement, même si ça leur a fait du bien quand même aux populations sur certains points, dans le sens où il y a des, des règles. Qu'elles avaient euh, précédemment à l'arrivée des Français, qui ont été maintenues. Ça, c'est un avantage, mais en même temps, elles n'avaient pas le droit, euh, comme les citoyens et citoyennes, et elles étaient clairement discriminées par ce... le fait d'appartenir à des coutumes. Et c'est un peu ce qui se passe pour euh, les populations euh, issues des, des Premières Nations euh, en Amérique, par exemple, qui ont euh, des cartes différentes. Des... Si vous êtes au Québec, par exemple, vous avez une carte différente si vous êtes descendant. De, de première nation euh, amérindienne et si vous êtes euh, des, euh, des, des descendants de colons blancs en fait ou, ou pas même afro, euh, afro américains aussi c'est pareil vous avez des cartes un peu différenciées bref je finis l'article parce qu'on a presque fini il y a un article il, enfin, ils nous ont mis une, une archive parue en alors excusez-moi hop là paru en 1939, dans l'École de la Vie, qui s'appelle « Langue française, langue de civilisation en Afrique noire », qui nous parle de l'enseignement en langue française dans les colonies d'Afrique noire. Je vous lis juste le tout début. « Si la question de la redistribution des colonies fut, pour les populations de nos territoires d'outre-mer, vous notez bien, vous n'êtes en 1939, en pleine période coloniale, et le nom qu'on donne aux colonies à ce moment-là, c'est « territoire d'outre-mer ». Juste pour vous dire que quand on dit aujourd'hui territoire d'outre-mer ou outre-mer, c'est pas pour renier euh, l'époque coloniale. C'est pas pour euh, c'est pas un nouveau nom. À l'époque coloniale, on appelait déjà ces endroits les outre-mer. C'est juste qu'on les appelait aussi colonies, qui dépendaient du ministère des colonies. Aujourd'hui, le mot colonie a été effacé, le mot outre-mer reste. Mais j'ai envie de dire, voilà. Vous faites votre propre avis ensuite. Une occasion d'affirmer avec éclat leur attachement, leur attachement à la France. Le loyalisme dont elles viennent de faire preuve, attirent de nouveau l'attention sur un problème qui fit couler beaucoup d'encre dans la presse coloniale et la presse pédagogique, et dont les données avaient jusqu'alors été. non, avaient jusqu'alors trop dé délibérément négligé les conséquences nationales. C'est le rôle que doit jouer la langue française en matière de colonisation, et la part qui doit être faite dans l'œuvre scolaire à l'enseignement de cette langue. Bon, voilà, ça vous donne euh, l'idée de la direction que va prendre cet article. Et ça me fait penser grave à la francophonie qui existe toujours aujourd'hui, euh, qui est dont les concepts, on va dire philosophiques, doivent aussi être déconstruits. Je ne vais pas cracher sur la francophonie gratuitement, euh, mais je pense qu'il y a des choses à étudier en mettant en lien avec toute cette pensée de la civilisation de l'Afrique ou d'autres territoires par la langue française. Je pense qu'il y a des choses à, voilà, à déconstruire dans ce qu'on peut faire, quoi. Je finis l'article, quel bilan peut-on tirer de ce processus d'éducation coloniale bien, Elle nous répond, l'école dans les colonies aura surtout permis d'asseoir la domination des colonisateurs. Finalement, il n'aura jamais été question de former des citoyens éclairés, mais plutôt de simples auxiliaires à la domination française. Il faut souligner que les populations indigènes n'ont été que très partiellement instruites. Au lendemain de l'indépendance, le taux de d'analphabétisme était de 85% en Algérie. Et en 1946, Senghor, donc Léopold Sédar Senghor, dénonçait le fait que seulement un enfant sur 24 était scolarisé en Afrique occidentale française. Pour autant, il faut nuancer. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des positions divergentes et de nombreux débats. Georges Hardy, par exemple, un agrégé d'histoire et de géographie qui a été administrateur colonial en Algérie, en Afrique occidentale française et au Maroc, est connu pour avoir été le partisan d'une école très rudimentaire sans accès à l'enseignement secondaire. Mais d'autres administrateurs ont, en revanche, œuvré en sens inverse. Pour en savoir plus, on ira lire le livre de Carole Reynaud Paligaud qui s'appelle L'école aux colonies et donc <laughs> qui est ici. publié chez Chamballon, à qui je vais envoyer un mail en leur disant wesh les amis est ce que vous pouvez me l'envoyer gratuitement SVP. Euh... Et donc voilà, ça c'était pour euh, cette interview assez courte. Il est 20h19. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir finir à l'heure. On va pouvoir finir avant 20h30. Et ça c'est top. Comme ça j'ai respecté mes, mes délais. Et donc euh, juste. Euh, bah, je trouve que c'était intéressant. Et oui, ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des positions divergentes et de nombreux débats. C'est ce qu'on a vu avec le, le débat de Jules Ferry tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas se dire tous les Français et Françaises étaient. Euh... En mode grosse colonie, grosse colonisation avec le même modèle. Non, il y a des débats au sein des partis coloniaux, au sein des lobbies coloniaux, et ces débats sont complexes et méritent notre attention et de voir quels étaient les arguments qui s'opposaient au sein des, des populations pro-coloniales, en fait. Et, et après, ceux qui étaient anticoloniales, bon, il y, y en avait moins parce que c'était moins une question. Mais en tout cas, au sein des pro-coloniaux, quels étaient les débats qui les animaient Et ça, je pense que c'est un truc il faut vraiment, auquel il faut vraiment être attentif. Parce qu'on hérite aussi beaucoup d'argumentaires qui, qui nous viennent en fait qu'on utilise aujourd'hui et qui nous viennent en fait de ces débats qui avaient lieu à l'époque déjà. Et ça, on le verra dans d'autres revues de presse peut-être. Voilà. Euh, pour finir, je vais, on va faire un quiz pour celles et ceux qui connaissent un peu ce, ce rituel que je fais dans chacun de mes lives. Un petit quiz sur l'histoire coloniale en trois questions. Il Faudra répondre le plus vite possible. Euh, ouais, on va faire ça tout de suite. Allez, je me remets dans le mode. 21h, je viens de voir qu'ils ont fait un livre sur l'expo de l'école en Algérie. Ah, trop bien. Bah, ah, je joue pas cette fois 13 bis parce que l'autre fois, tu avais fait trop euh, trop un échec. Très bien, je note. Euh, alors, je, je prépare le quiz juste rapidement. Hop. Tic-tic-tic. Et, euh... Et bah, c'est super, Totem. Et ben bah, tu peux peut-être le partager sur le Discord si t'es sur le Discord. Je sais pas si. Euh... Alors attendez, j'essaie de lancer le quiz là parce que... Hop. Pourquoi j'arrive pas à la lancer Désolé, je prends quelques secondes pour le faire. Georges Ticoun. Ah, trop bien, ok, c'est toi Georges Ticoun. Super. Mais alors attendez, j'arrive plus à lancer mon quiz, je sais pas pourquoi. Qui marche pas là Peut-être qu'elle est lancée, mais derrière, attendez un instant. Hop. Ah, c'est bon, elle est là en fait. C'est juste que je la voyais plus sur tous mes écrans. Ok, your quiz. Et vous allez voir, ça va être un quiz assez facile. Trois questions, tranquillou. Il faut juste répondre le plus vite possible. Celles et ceux qui ne voient pas. Euh, le... Alors bonjour, je viens de vous découvrir grâce à Maudie, content de découvrir cette chaîne, bah trop cool, bienvenue Renette, ça fait plaisir et merci à Maudie, euh, Si elle est toujours en live, ensuite je ferai peut-être un raid chez elle, mais je sais pas si elle est encore en live. Euh, J'ai regardé aussi ça, ça, son live d'hier, c'était vraiment intéressant. Euh, tout ça pour dire que oui, celles et ceux qui voient le normalement, vous devriez voir euh, un petit truc qui s'affiche sur, euh, sur votre écran, surtout si vous êtes sur ordinateur. Et, euh, et vous avez un, des règles du jeu qui s'affichent et si vous ne le voyez pas et que vous êtes sur téléphone vous pouvez descendre dans ma bio normalement euh, en dessous de l'écran vous devriez voir euh, vous devriez voir le, 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 le truc qui s'appelle quiz kit donc vous devriez pouvoir répondre aux questions là dessus salut bertil13 bonjour à tous pareil j'arrive de chez maudit bah, bienvenue et sur, sur portable je ne vois pas grand chose normalement si tu descends un petit peu tu devrais voir le quiz bah, en fait vous arrivez juste à la fin euh, mais c'est trop cool d'être là. Vous arrivez à la fin, on vient de lire un article qui s'appelait « L'école dans les colonies françaises, un instrument de domination » que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, je mettrai le replay en entier. Et c'était grave intéressant, écrit par Carole Reynaud-Paligaud, qui est une historienne française, spécialiste de la question de l'histoire coloniale euh, et de l'histoire de la construction du racisme en France, et qui est grave intéressante. On va regarder une petite interview d'elle juste après. Donc c'est cool. « fit like Africa, salut, ça va ?» On a fait un live là, il y a deux semaines maintenant sur, euh, sur euh, Instagram et c'était trop bien ton témoignage. Salut Thomas Thomas MNR. Et donc, ah, elle est toujours en live du Sorcery Plus, superbe. Bah, Peut-être que je ferai un raid après. Alors là, je vais vous envoyer le quiz. Alors pour celles et ceux qui connaissent l'histoire coloniale, ça va être facile normalement, j'espère. Et celles et ceux qui ne connaissent pas, bah, vous allez apprendre des trucs. Du coup, il y a trois questions, c'est très simple. Soyez prêts et prêtes. 3, 2, 1. Je fais Start Game. Qu'est-ce que l'AOF L'Afrique orientale française, l'Asie occidentale française, l'Afrique occidentale française ou appellation d'origine française C'est une, rép... une question facile normalement. Avec le... ce qu'on vient de lire aujourd'hui, vous devriez trouver simplement. Pour celles et ceux qui ne voient pas le quiz, je disais si vous êtes sur téléphone normalement, vous descendez un petit peu et vous regarderez, vous regarderez euh, dans, le... dans la bio. Euh, les... Euh, voilà, normalement, vous devriez voir le quiz qui s'affiche. Et sinon, ben, c'est que... Alors, attendez, je fais reveal, insert, voilà. La réponse a été envoyée. C'est l'Afrique occidentale française. Vous êtes 15 à avoir trouvé, bravo. Les personnes qui ont dit Asie occidentale française, non, ça n'existait pas comme territoire. Euh, on appelait ça l'Indochine, en fait. Et c'était pas occidental, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est. Et l'Afrique orientale française n'existait pas non plus. On appelait ça l'Afrique équatoriale française. Ça fait AE. Pardon, AEF. <laughs> euh, et du coup, euh, c'est quelque chose de différent pour ne pas confondre justement les deux sigles. Et appellation d'origine française, bien sûr, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bien joué. Alors, next question. 3, 2, 1. Qui était Léopold Cédar saint Un spécialiste de l'histoire coloniale française, un militant anticolonialiste ivoirien, un roi belge ou un homme politique sénégalais Ça devrait être facile normalement. Alors, et je vous montre les réponses. <laughs> Malheureusement, cette extension, on la voit pas. C'est une extension, donc elle s'affiche pas chez tout le monde. Je suis désolé pour celles et ceux qui la voient pas. Bon, il ne reste plus qu'une question. Donc euh, après, on repasse sur un mode où vous pouvez participer comme tout le monde. Bien joué, vous êtes 19 à avoir dit un homme politique sénégalais. Deux qui ont dit un spécialiste de l'histoire coloniale française. Non. Alors il a, il a été un, un grand personnage de l'histoire coloniale française, mais ce n'est pas sa spécialité. C'est un homme politique, un poète. Euh, voilà, il, a, il, a créé, enfin, il a fait partie de ceux qui ont créé le concept de la négritude, mais, euh, mais ce n'est pas un spécialiste de l'histoire coloniale française, et c'est pas un militant anticolonialiste ivoirien non plus. Prochaine question. Top entre 2020 et en 2021, Carole Renaud-Paligou a publié un livre qui s'appelle *La République raciale race, racisme et antiracisme dans les années 1930*. L'école aux colonies où on vient vraiment tous d'Afrique. J'ai fait une lecture hyper rapide. Et la réponse ouais, La question piège, c'est une question piège parce que c'est que des livres qu'elle a vraiment publiés en fait. Mais il y en a un qu'elle a publié euh, plus rapidement. Fin plus récemment que les autres. Elle les a tous publiés, ces livres. C'est tous des livres qu'elle a écrits. Ou co-écrits d'ailleurs. Et la réponse, c'était L'école aux colonies, qui est son livre publié en 2021, effectivement, janvier 2021. Et c'est à cause de lui qu'on a lu euh, l'interview qui est parue donc, chez Retro News, École dans les colonies françaises, un instrument de domination. La République raciale, c'est un livre qu'elle a publié plus tôt. Race, racisme et antiracisme dans les années 1930, pareil. Et on vient tous, vraiment tous d'Afrique, c'est un livre qu'elle a co-écrit et qu'elle a publié encore euh, plus récemment, peut-être. Voilà les résultats, les résultats finaux. Normalement, ils doivent s'afficher, pour celles et ceux qui le voient. <laughs> et encore une fois, il euh, y a Shinelo15 qui apparaît. Bien joué, Shinelo15. Euh, bien joué à toi. Mais par contre, euh, les autres, je n'ai pas vos noms. Contestant 20, Contestant 1, Contestant 33 et Contestant 3. Mais je pense que vous n'avez pas activé l'option « Afficher mon nom ». Il y a une option à, à « Talop tu es donc quatrième, soi-disant, mais qui peut le prouver, contestant 33 euh, Totem qui est neuvième, euh, Sophie 363 qui est onzième, Martini-Chéri qui est dix-septième, Asirem RDS qui est vingtième, FitLike Africa 23 troisième et Sophie 363 25 cinquième Sophie 363, comme ça comme ça fait que tu deux fois, c'est bizarre. Bref. Je suis deux, <laughs> contestant 20. C'est toi, 13bis hmm. Je sais pas, je ne suis pas sûr. J'ai des doutes. En tout cas, euh, merci déjà d'avoir suivi jusque-là le live. Et on va finir, euh, puisque j'avais dit qu'on fait 1h30, je vous remets sur l'écran. On va finir en regardant une interview, encore une fois, de, bah, de Carole Renault-Paligo. Hein qui est la personne dont on a lu déjà l'interview, et qui avait aussi donné une interview, donc comme tout à l'heure je vous avais montré, pour celles et ceux qui étaient là au début du live on était allé sur le site Canopé de la République Française donc, qui a un programme d'éducation euh, qui est lié au ministère de l'éducation, etc et qui a fait un, un truc sur la question de la race qui a interviewé deux historiens et historiennes et, euh, et donc on va, lire la, on va regarder la dernière interview qui était donnée par Carole renaud paligot on lui posait la question, comment la pensée raciale s'épanouit-elle sous la Troisième République Et on va, se, on va finir sur cette petite vidéo où là... Ah ouais, on voit en grand, c'est cool Eh bien, c'est parti, ça dure 3 minutes, un euh, an, 4 minutes 11. Cette pensée raciale a donné lieu à des usages politiques. Euh, le premier qui s'impose assez facilement, c'est euh, ce qu'on peut appeler un usage colonial. Puisque euh, ce discours visant donc à inférioriser, à hiérarchiser les races, va euh, servir assez naturellement à justifier euh, la domination coloniale des sociétés européennes et essayer de sortir de cette contradiction entre, d'un côté, les valeurs républicaines, égalitaires, euh, universalistes, euh, qui, qui, qui sont affirmées aussi avec force, et euh, c'est euh, cette domination coloniale qui impose donc la privation de droits, le régime de l'indigénal, le travail travail forcé, etc. Alors ce registre de naturalisation des populations euh, va servir à, à aussi à sortir de cette contradiction en disant on est euh, obligé d'imposer, on a un devoir de civiliser ces, ces, ces races naturellement euh, inférieures. Euh, voilà, donc ça c'est le premier usage. Le deuxième usage que je vois s'imposer aussi de manière très forte dans ces sociétés euro européennes, c'est un usage en termes d'identité nationale. C'est-à-dire qu'on va racialiser les identités collectives dans un contexte d'extrême rivalité entre les nations, entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Chaque nation va essayer de mettre en avant ses, euh, sa supériorité raciale, euh, des origines raciales supposées euh, plus supérieures à celles des voisins. Alors, on voit par exemple les Anglo-Saxons, les Britanniques, pardon, affirmer avec force la supériorité des Anglo-Saxons, de la civilisation anglo-saxonne. Les Français revendiquaient plutôt des origines celtiques, là aussi, donc en valorisant ces origines. Et c'est aussi dans ces milieux, à la fin du 19e siècle, dans les milieux nationalistes allemands, que commence à être portée avec force l'idée d'une supériorité à l'intérieur de la race blanche d'une supériorité de cette race nordique, aryenne, germanique, disent-ils. La science des races s'affaiblit un petit peu dans le temps puisque euh, cette entreprise classificatoire s'avère très compliquée à, à, à poursuivre. Les recherches s'accumulent, les mensurations des corps, des, les de crânes s'accumulent, les données scientifiques s'accumulent et on n'y voit toujours pas très clair dans la classification. On n'arrive pas à trouver des frontières précises entre les races. Donc, l'anthropométrie est assez, est assez vite remise en cause. D'autre part, les visions dépréciatives qu'on avait sur ces races dites inférieures euh, va aussi, vont aussi se, se transformer. On s'aperçoit qu'elles ne sont pas tout aussi primitive qu'on le pensait avant, euh, c'est-à-dire que l'anthropologie culturelle va prendre le, le terrain et euh, en passant du temps parmi les populations, on va s'apercevoir que leur civilisation est tout aussi riche, tout aussi complexe euh, que, que celle qu'on croyait qu'on qualifiait de supérieure. Euh, voilà, donc un autre regard se met en place et ce paradigme racial hein, s'affaiblit, euh, s'effondre. La notion de race est fortement discréditée après la Seconde Guerre mondiale, après l'usage qu'en ont fait les, les nazis. Mais en même temps, euh, on peut dire que ces pensées essentialisantes euh, continuent, puisqu'on a euh, à, à, de manière assez présente euh, cette idée d'attribuer euh, des caractéristiques euh, culturelles, intellectuelles, psychologiques à des peuples, et à puiser là-dedans pour expliquer euh, des, des comportements. Euh, et euh, l'évolution des sociétés. Donc, on a, on a toujours ces pensées essentialisantes, et on est dans un type de pensée qu'on qualifie aujourd'hui de culturaliste, qui sont encore mobilisés, euh, sur, surtout euh, dans la presse, me semble-t-il, euh, pour expliquer, pour tenter d'expliquer euh, l'évolution des sociétés euh, d'aujourd'hui. Mais merci à Carole Reynaud paligaud pour euh, qui est, donc une interview qui a été réalisée en 2016. Et, euh, et ce qui était très intéressante, je pense, et qui donne en tout cas envie de checker un peu ce qu'elle fait. Enfin, vu tous les livres qu'elle a écrits <coughs> sur ces sujets. Donc, je rappelle un peu ce qu'on a vu au début du live. Euh, Carole renaud Paligo, qui a écrit sur l'identité de l'identité nationale, sur le race, racisme et antiracisme dans les années 1930, la République raciale entre 1860 et 1930, et qui travaille particulièrement sur l'histoire du 19e siècle. En général. Et là, ce dont elle apparaît dans, ce, dans cette interview, ça me fait penser à deux trucs qui, je pense, sont intéressants à checker. C'est euh, le, le texte qui s'appelle Inégalité des races humaines, et euh, qui a servi d'inspiration, euh, entre autres, bah, au nazisme, mais à, à d'autres pensées racialistes et, et de suprématisme, et qui a été écrit par un Français qui s'appelle Arthur de Gobineau. Le, dit le conte de Gobineau et donc vous trouverez euh, l'intégralité du texte gratuitement sur euh, normalement voilà il est je pense sur Gallica voilà au moins là hop il y a le volume 2 là j'ai cliqué sur le volume 2 mais il y a le volume 1 d'abord euh, disponible gratuitement sur Gallica et qui est intéressant pour voir comment c'était comment c'était pensé tout ça comment c'était expliqué à cette époque donc par le comte de Gobineau, donc ce texte a vraiment servi de base beaucoup aux théories racialisantes. Il y a tout un tas de, de mesures justement de crâne ou de choses comme ça qui sont présentées dans cet ouvrage en fait. Euh, voilà, qui a été écrit 1800 et quelques, 1884. Et ça me fait aussi penser donc ce qu'elle vient de dire au texte de Franz Fanon qui s'appelle racisme, racisme et culture et que je vous conseille vivement d'aller lire, mais genre vivement, vivement, vivement. Euh, je ne sais pas si je vais le trouver, attendez, en, en entier là, mais je l'ai en PDF et on pourra toujours le, le lire. Ah à... bah, voilà, là, il est en accès conditionnel à 4 euros. Je l'ai en PDF, on pourra toujours le lire. Je mettrai le lien sur mon, sur mon Discord, sur le Discord. Alors, Antonin Firmin, haïtien, a écrit l'égalité des races en réponse à Gobineau. Oui, effectivement, c'est vrai que j'oublie toujours euh, cette... Euh... Alors attendez, je vous montre... Ouais. Antonin Firmin, alors je vais, je vais checker tout de suite. Antonin Firmin. Firmin. Anténor Firmin. Joseph Anténor-Firmin. C'est ça son vrai nom. Joseph Anténor-Firmin. Qui est un haïtien, intellectuel, homme politique haïtien, et qui a écrit effectivement euh, un livre qui s'appelle De l'égalité des races humaines, anthropologie positive. En 1885, donc un an après la publication du livre d'Alfred de... de Gobineau. Euh, D'Arthur de Gobineau, excusez-moi. C'est Arthur hein, son nom. Arthur de Gobineau, oui. Effectivement, et celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc euh, je vais le checker. Je pense qu'il doit aussi être <coughs> disponible dans les sources ici. Sur Gallica, effectivement. Merci beaucoup. Et 13 bis, merci pour, euh, pour le lien donc, que tu viens de mettre. Je vais l'ouvrir tout de suite. Hop là. Copier l'adresse du lien. J'essaie de checker. Ça ah non, ça c'est le lien que j'ai déjà mis en fait. Racisme et culture, c'est le. Ah, que je... Attendez, je vérifie. Hop. Alors donc, Antenor Firmin, donc on a dit il a écrit ça. Égalité des races humaines, anthropologie positive. Et je vais vous le mettre aussi dans les liens qui seront donc sur mon Trello. Euh, écrit à Haïti, donc Haïti qui est la première république noire hein, qui, se... qui gagne son indépendance euh, de la France, puisque c'était Saint-Domingue, une, une colonie particulièrement rentable pour la France, euh, basée sur l'esclavage, et qui aujourd'hui est Haïti. Bref, il y a toute l'histoire d'Haïti qui est vraiment passionnante à checker. Et donc là, bon, je sais combien de pages il y a dans ça 685. Ouf Bon. <laughs> et ben, en tout cas, c'est à checker de l'égalité des races humaines en réponse à notre ami euh, Gobineau. Et, euh, et ici, oui, c'est le même texte, mais par contre, je crois qu'il est là sur. C'est une preview aussi, Racisme et Culture de François. Non, bon. En tout cas, je l'ai en PDF et je vais le mettre sur mon Discord. Donc, euh, allez rejoindre mon Discord, le lien est dans la bio. Sinon, vous regardez dans mon Trello et tout, il y a toujours les liens de mon Discord. Et je vais le mettre. Et c'est un texte vraiment fondamental parce qu'en fait, il explique comment le racisme ne peut pas durer dans, la société, dans une société comme la France, parce qu'il est mal vu après la Seconde Guerre mondiale, mais comment ça va se transformer en question culturelle. Et on va commencer à dire, la culture de ces gens est différente de la nôtre, et, donc, euh, et en fait, comment le racisme va, va migrer vers la question de la culture. Et il écrit ça en 1956, euh, et, et ça, ça fait scandale parce qu'il le, il le dit au Congrès international des écrivains et artistes noirs qui avait lieu à Paris, et qui est un moment très important de l'histoire de l'antiracisme, en tout cas, et de la question afrodescendante, et qui a été aussi un lieu de grande tension entre différentes pensées de l'antiracisme. Et lui, quand il arrive avec cette théorie, qui parle en fait un peu de racisme structurel spécifique à la France, bah, il n'est pas forcément très bien reçu, même par les, les autres noirs euh, francophones. Bon, après, c'était François Fanon, Il y a des choses, il faut toujours regarder avec un regard critique hein, ce qu'il a écrit. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça aide beaucoup à penser ce qui se passe actuellement. Et voilà. Euh, donc, sur ce, euh, bah on va, je vais vous dire merci de m'avoir regardé en live et on va essayer de faire un petit raid sur, sur Maudit, du coup, histoire de, de lui faire un coucou. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi un peu. Si je fais lancer une, un raid sur une chaîne, je tape. Merci super live de K Super Kali. Yes maudit, trop bien. Merci à toi, ben merci. Franchement merci à tout le monde. Comme je disais, le live va être disponible en replay sur ma chaîne YouTube. C'était un grand plaisir de faire ça avec vous. Euh, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le, euh, le Discord si ça vous intéresse, si vous voulez euh, discuter un peu, échanger des sources, etc. N'hésitez pas à checker le Trello si vous voulez lire toutes mes sources, je vais les mettre en, en, en forme juste après. Et, euh, et aussi, pour finir, euh, j'allais dire, n'hésitez pas. Ah oui, voilà, euh, j'ai aussi un Tipeee si vous voulez me soutenir euh, financièrement. Euh, voilà, j'ai un Tipeee, vous pouvez cliquer, pareil, euh, le lien euh, dans ma bio. Et voilà quoi, merci pour ce live, j'ai pas tout vu, je rattraperai le début en replay, trop cool. Et j'avais vu des messages, en fait il y a des messages que j'ai pas eu le temps de lire parce que j'étais concentré sur plusieurs trucs. Mais voilà, je checkerai plus tard. Et donc on se retrouvera vendredi prochain normalement. Cette semaine je suis un peu en pause sur Instagram parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire des vidéos Instagram. Donc je fais pas, je fais pas de live ni de vidéos sur Instagram pendant tout le mois de mars normalement, si j'arrive à tenir mes... mes engagements de vacances. Mais par contre je continue les lives sur Twitch. Parce que je trouve ça cool de faire ça avec vous et d'être aussi dans un rapport plus d'échanges, etc. Donc n'hésitez pas à commenter beaucoup dans les prochains hein, Twitch. Et voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne Histoire Crépus. J'appuie sur lancer le raid et je vais quitter du coup. Alors comment je vais faire ça Hop, hop. Et bien du coup, à bientôt sur la chaîne Histoire Crépus. Merci 13bis, merci Tronche de Cake pour la modération. Ciao